La Alors, justice, il doit effectivement, appliquer la loi. la brigade anti-sardinade est Seul en le juge direct. fait bien. Brigade anti-sardinade en direct, très bien. Mais disons, pourquoi ça passe plus? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a coupé? Qu'est-ce qui se passe dans un créneau? Non, les gars, je pense que le direct. On ne peut pas s'accommoder d'une décision de la justice au prétexte qu'on aime bien quelqu'un ou on n'aime pas quelqu'un. Parce que toi-même, là, qui dis qu'on a bien fait pour elle, si demain la justice te prend et que tu n'as rien fait, est-ce que ton ennemi, tu vas pas apprécier que ton ennemi te lève, se lève pour que tu sois libéré puisque tu as été incarcéré Oh, mon conditionnellement? pauvre Dre, tu parles à des gens qui n'ont pas cette aptitude de raisonner, mon cher ami. Oh là là. Je te reprends, Kumagero. Oh là 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 là. Tu Ah, parles. ça Tu... m'est impossible de montrer la caméra. Essaye de sortir du live et puis tu reviens. Oh là 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 là. Pauvre de nous. Chers amis, nous devons décider dans quel pays nous voulons vivre. Pourquoi ça s'arrête tout le temps? What the fuck is going on? What the fuck is going on? Pourquoi ça s'arrête? Hey. Alors. Pourquoi ça déconne tout le temps? Allez, on repart. Pourquoi ça te fait chier ces directs-là? Oui, Décider dans effectivement, là, quel les mecs, je crois que le direct, pays nous voulons vivre. on va devoir le repousser parce qu'il y a le direct de Dre Bonis sur la brigade anti-sardinarde. Qui me paraît intéressant. Je vais enchaîner juste après. Tu vas enchaîner juste après. D'accord? Et ben, je suis obligé de couper le direct. Priorité à ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé hier. Voilà. Donc. Voilà. Donc, écoutez, les mecs. On se reprend tout à l'heure. J'ai le bilan de la financière de la conférence de Berlin. Donc, on a deux ou trois petites choses à discuter ensemble. D'accord? Mais bon, pas d'interférence entre nous. Il y a quand même des choses importantes qui sont passées. Je fais interférence avec la base quand le sujet qui est discuté, je ne suis pas d'accord avec. Mais là, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est en train de se dire aujourd'hui et ce qui est en train de se faire. Donc on va tous aller regarder ce que dit la basse. Voilà, je vous conseille vivement de rejoindre... Décider dans quel pays nous voulons vivre. Voilà. Mais je ne comprends pas pourquoi ça déconne comme ça, dis donc. C'est incroyable ça, c'est dingue ça. C'est dingue ça. Donc, tout à l'heure, les mecs, hein, je reviens tout à l'heure. Sabrina, on fonce d'abord sur la page de la brigade anti-sardinade. On finit ce qu'il y a à faire là-bas, puis on revient tout à l'heure ici. On parle du bilan financier. Bon, peut-être qu'on n'abordera pas tous les sujets que j'avais voulu aborder, mais je vais quand même au moins aborder. Alors, peut-être, ça se trouve, c'est le direct de la brigade anti-sardinade qui déconne. Hein. Peut-être, c'est pas moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. D'accord, donc. Tac, tac, tac. Dans quel pays nous voulons vivre. Ah oui, d'accord, je crois que le direct de la brigade anti-sardinade a planté. Donc, attendons de voir s'il relance. À mon avis, je crois que les signaleurs des directs ont fait leur job, quoi. Hein. Ils ont fait ce qu'ils savent faire de mieux, à savoir signaler les directs. Oui. Donc oui, à mon avis, le direct a été signalé, effectivement. Le direct a été signalé, il a été coupé. Le direct a été signalé, coupé. Je ne sais pas s'ils vont relancer. I don't know, sir. Voilà. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est voir les abeilles aujourd'hui s'attaquer à ceux qui trouvent, encore une fois, l'heure n'est pas aux réjouissances des malheurs des autres. C'est-à-dire que ce n'est pas en se réjouissant de l'arrestation
de Miss Grosse Vache, puisque c'est une grosse vache, bien sûr, que nous autres, nous allons arriver au but de nos objectifs. Donc, ce n'est pas en faisant ça, ce n'est pas en faisant ça qu'on arrivera à nos objectifs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'empêche pas quand même de rappeler que quand on était en train de mener les vrais combats qui consistent à condamner ce genre d'action, ce genre de comportement où on arrête des gens de façon arbitraire, celle-ci n'était pas concernée. Elle ne se sentait pas concernée du tout. Voilà. J'espère. Et là, ce matin, on se sera attendu à ce que les abeilles, pour éviter d'être ridicules davantage, rejoignent vraiment le combat, se rendent compte en fait que ce que nous faisons, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la plaisanterie. On se sera attendu à ça, en fait. Mais là, je constate encore avec des personnes qui disent « Wow, elle n'a tué personne en Afrique, elle n'a tué personne. » Mais vous utilisez, en fait, les arguments qu'on peut vous retourner quand vous attaquez quiconque sur Internet. C'est-à-dire que lorsque vous vous acharnez sur des gens de façon lâche pendant des mois, ceux-ci n'ont tué personne aussi, d'accord ? Sauf qu'en fait, votre acharnement sur des gens se limite à du virtuel, sauf qu'en réalité, là, elle a été arrêtée dans le réel, c'est-à-dire qu'elle est en tôle. Et le problème, c'est que dans le monde réel, vous vous rendez compte que vous êtes des incapables, en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes capable de rien, au final. À part bavarder, faire de la calomnie sur Internet, que ça veut vous faire? Que dalle. Lobbyisme, non. Influence, zéro. Dans mon équipe, il y a des personnes qui peuvent passer des coups de fil et on libère cette femme. Je ne pense pas qu'elle a été arrêtée sur ordre de Biya. Là, il s'agit d'un abus. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une situation de zèle. Tu appelles la bonne personne, elle est libérée, en fait. Elle n'est pas arrêtée pour une arrestation politique. Quand c'est une arrestation politique, oui, c'est un peu compliqué, effectivement. Quand c'est une arrestation politique, c'est un peu compliqué. Mais quand c'est une arrestation parce qu'elle est au Cameroun, il y a une plainte contre elle, même la France ne peut rien faire. C'est-à-dire que si elle a enfreint, si la plainte dit qu'elle a enfreint une règle au Cameroun et que c'est démontré, elle peut y rester un petit moment. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des Français qui sont souvent arrêtés à l'étranger. Vous savez qu'il y a des Français qui sont souvent arrêtés à l'étranger avec des kilos de drogue sur eux. Eh bien, ils font la prison. Hein. La France a beau demander qu'on les rapatrie. Quand il y a des charges qui pèsent sur eux, ça ne peut pas conduire à un incident diplomatique. L'incident diplomatique, c'est quand la justice qui est appliquée à cette personne est différente de celle qui serait appliquée à un justicier normal de ce pays. Elle est différente de celle qui est écrite dans le code pénal. C'est là où on frôle l'incident diplomatique. C'est-à-dire que si elle est arrêtée pour un motif conforme qui doit déboucher sur une enquête, l'officier de police judiciaire ou le procureur peut décider que non, moi je la garde le temps que l'enquête fasse son cours. Je dois la garder sous le coude le temps que l'enquête évolue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle peut bien rester un petit moment. Ceux qui disent parce qu'elle est française va sortir, ce n'est pas une affaire politique. Quand c'est une arrestation politique, étant donné qu'il y a la liberté d'expression au Cameroun, étant donné que chacun a le droit de donner son avis, rien ne justifie que l'État camerounais arrête une personne parce qu'elle a exprimé ses opinions politiques. C'est écrit dans la Constitution. De ce côté-là, la France peut obtenir sa libération très rapidement. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Pat Nganangus, quand il a été arrêté, ce Pat Nganan. Quand Pat Nganan a été arrêté, étant donné qu'il n'avait pas commis d'infraction pénale, sur le terrain, donc Joël Gameni, tu es bloqué direct. Je suis obligé d'insulter, donc je crois que j'ai répondu à ta question. Il n'y a pas de débat sur la question. Je suis obligé d'insulter. Sabrina, quelqu'un qui se sent très mal à l'aise ici, tu sais ce que tu as fait. Tu soulages cette personne, en fait, en lui donnant les moyens de se barrer, quoi. Vous êtes 150 personnes. Je vous invite à partager, s'il vous plaît. Partager un max. Je ne sais pas si la brigade anti-Sardina, de son côté, a relancé. Parce qu'effectivement, vous savez qu'il y a eu un événement majeur hier, ce que je comptais effectivement aussi aborder avec vous aujourd'hui. C'est un événement majeur, c'est important, puisque c'est le combat qui est relancé, en fait. Hein. Le combat a été relancé. Et j'ai particulièrement été ému par le face-à-face de Calibri avec un abruti qui était sur place. Donc oui, j'étais en train de dire, en fait, que... Mais je sais même plus ce que je t'ai entendu, tiens. Oui, je suis en train de dire effectivement qu'il faut comprendre comment les choses fonctionnent. À force d'être idiot sur Internet, vous ne savez pas. Par exemple, si je suis moi, je suis français. Je vais au Cameroun. J'entre dans une boutique, je vole. Le Cameroun m'arrête. La France ne peut rien faire pour moi. J'ai commis une infraction sur le sol camerounais.
C'est la justice camerounaise qui s'applique. La justice camerounaise qui s'applique. Donc, je peux être détenu pour ça, détention préventive, puis condamnation. Par contre, on ne peut pas me détenir au-delà de la garde à vue. C'est-à-dire que la France va juste s'assurer que la loi est appliquée telle qu'elle est écrite. Donc, c'est son rôle. Ça veut dire que comme au Cameroun, on écrit la loi et on applique autre chose là. Avec les Camerounais, on n'avait personne pour le défendre. Moi, l'ambassade de France, tout ce qu'elle peut faire, c'est de s'assurer que j'ai droit à une justice équitable, c'est-à-dire celle qui est prévue par la loi, à savoir garde à vue maximum de temps. Au-delà de la garde à vue, on me présente en prison devant un juge, machin bidule, et que l'enquête soit rapide. Ça, c'est ce que la France peut faire pour moi. Mais la France ne peut pas obtenir ma libération si j'ai commis une infraction. En revanche, pour avoir dit à Bia le gros cul de sa matière, il faut déjà démontrer que c'est une insulte, parce que vous savez, s'il ne suffit pas de dire que c'est une insulte comme ça, blablabla, hein. Il faut démontrer juridiquement, sur le plan juridique. Et la démonstration d'un fait sur le plan juridique n'est pas la même chose que le fait d'affirmer. C'est-à-dire que je peux bien voir un gars, il rentre chez moi, je le vois en train de voler. Mais ce n'est pas parce que je l'ai vu voler que j'obtiendrai qu'il soit condamné. Il faut que j'arrive à établir. C'est-à-dire que s'il nie et que je n'ai pas de preuve qu'il est rentré chez moi, c'est chaud. C'est là où je dis, vous n'avez rien compris à la justice, vous les Camerounais. Vous pensez qu'il suffit de dire que tel est coupable et la culpabilité est établie. Un peu comme font les Atanganji. Une culpabilité. Ça se démontre. Une culpabilité, ça se démontre. Stefanek Djokovic, j'ai dit où que je savais pourquoi elle a été arrêtée. Je suis en train d'expliquer un certain nombre de choses, donc tu dégages déjà. Les gens qui ont la comprenette, les gens qui ont la comprenette d'un enfant de, je sais même pas, de 1 an, vous dégagez d'ici. On ne veut pas. Moi, je veux pas de boucher sur mon direct. Si vous êtes boucher, allez vendre la viande. Je veux pas des gars qui sont bouchés du cerveau. Quand on va vous traiter de boucher, vous allez croire qu'on vous parle, on parle de la vente de la viande. Vous êtes bouché parce que là-dedans, c'est bouché, quoi. J'ai dit où que je sais pourquoi elle a été arrêtée. Je suis en train de vous dire, oui, mais j'ai entendu qu'elle a été arrêtée sous la plainte d'une personne. Ce n'est pas sous la plainte de l'État camerounais. Ce n'est pas une arrestation politique. Fleur Delys ne parle pas de politique. À moins que vous voulez m'expliquer que, à moins que peut-être je découvre ce matin que vendre les godes, c'est de la politique. Excusez-moi, vendre les godes, c'est de la politique. Faire des ragots sur Internet, c'est de la politique. Peut-être que je le découvre avec vous. Je ne crois pas qu'elle ait fait de la politique. Je ne crois pas qu'elle fasse de la politique, cette nana. Donc, ça ne peut pas être une arrestation politique. Quand on arrête Patrick Ganan, si moi j'arrive au Cameroun, je suis arrêté, c'est une arrestation politique. Même si je ne suis pas politicien, mes actes sont politiques. Mes actes sur Facebook sont d'ordre politique, bien que je ne sois pas un politicien. Mes actes sont d'ordre politique. Kalibri s'y met les pieds au Cameroun où Marx il est arrêté, c'est une arrestation politique. Il n'a pas commis d'infraction pénale. Il est arrêté pour avoir exprimé des points de vue qui déplaisent au régime. Il faut faire le distinguo. Sauf que là, en l'occurrence, il paraît qu'il y a une plainte sur elle. Elle est arrêtée pour cette plainte-là. Moi, vous m'arrêtez au Cameroun, il faudrait donc établir. Parce que dans la plainte, d'ailleurs, qui avait été faite sur mon nom, j'avais démontré toutes les incongruités qu'il y a dedans. Qui est-ce que j'ai attaqué? La mère de Bia. Si c'est la mère de Bia, ça ne peut plus être une outrage. La mère de Bia ne représente personne. Ce n'est pas parce que tu es la mère du président que tu es présidente. La mère du président n'a aucun titre. Donc, si vous estimez que le gros cul de la maman de Paul Biya, c'est la mère de Biya que j'insulte, mais ça veut dire que j'ai insulté une personne lambda. Et dans ce cas, on est dans l'injure. On n'est pas dans l'outrage. Si vous considérez que c'est Biya que j'ai insulté, oui, ça devient de l'outrage. Mais il faut donc maintenant établir que le gros cul de la maman de Biya est une insulte. Il faut l'établir. Ce n'est pas simple, les gars. Ce n'est pas simple. J'ai dit, c'est que ce que nous disons là, parfois ça a l'air simple quand on parle, mais l'établir juridiquement, ce n'est pas simple. C'est pour ça que j'ai dit que vous n'avez rien compris à la justice. Vous ne comprenez rien à la justice. Vous ne comprenez rien à la justice. Il faut établir que déjà c'est une insulte. Si j'ai dit la grosse main de la maman de Macron, est-ce que c'est une insulte? La définition d'une insulte, propos volontairement outrageuse, ne renfermant l'imputation d'aucune vérité. En gros, si j'ai dit Messanga Nyamding, c'est un gros, que Messanga Nyamding est un gros, c'est désagréable, certes, mais il est gros, Messanga Nyamding. Il ne peut pas m'attaquer pour injure. En fait, quand on vous porte plainte pour injure, vous avez l'obligation d'établir que ce que vous avez dit correspond à la réalité. Par exemple, si Sabrina Kadji était très bonne en maths, avait 19 en mathématiques, et que je viens sur Facebook dire qu'elle était zéro en mathématiques. On rentre dans ce qu'on appelle de la calomnie, de la diffamation, puisque Sabrina Kadhi peut exercer son droit de réponse, apporter ses notes de classe et montrer qu'elle avait 19.
Donc là, je tombe sur le coup de l'attaque de la diffamation. En revanche, il a dit Zabina Kadji était une nullarde. Elle était nulle à chier en mathématiques. Et qu'effectivement, elle avait zéro. Ok, ça paraît, c'est sûr, c'est pas à son avantage. C'est sûr que c'est désagréable. Mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité. Elle ne peut pas m'attaquer là-dessus. Si, par exemple, il a dit le gros cul de la mère de Bia, et qu'en réalité, la mère de Bia a un gros cul, comme la mienne d'ailleurs, parce que ma maman, elle n'était pas mince. Hein. Ma maman, elle avait un gros cul. Donc, quelqu'un qui dit le gros cul de la mère de Serge Anango, il ne m'a pas insulté, puisque ma maman, elle a un gros cul. En revanche, si vous dites à Stella que le gros cul de Stella, là, vous risquez de tomber sur le coup d'une attaque ou injure, parce qu'elle n'a pas un gros cul. Si j'ai dit le gros cul de Flore de Lille, ce n'est pas une insulte, je fais un constat. Ce que j'observe, c'est ce que j'observe. Elle n'a pas un petit cul, Flore de Lille. Vous voulez vérifier? Elle a un gros cul. Une injure, c'est un propos volontairement outrageux, ne renfermant l'imputation d'aucun fait. Quand je dis, par exemple, que l'enfant d'un tel, elle est, on ne peut pas m'attaquer en justice pour ça, parce que déjà, la notion de beauté, elle est suggestive. C'est ce qui veut dire que dans l'absolu, même si son enfant était beau, si je décide qu'elle est laide d'après ma perception, je ne suis pas attaquable. Je dis, je vois une personne qui est laide. Oui, ce n'est pas plaisant d'entendre que son enfant est laid. Mais si c'est réel, vous ne pouvez pas m'attaquer là-dessus. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas porter plainte à une personne sur la base du seul fait que ce qu'il dit ne vous plaît pas. Il manquerait plus que ça. Si, en fait, discuter avec les gens sur cette terre ne revenait qu'à les obliger à ne dire que ce qu'on a envie d'entendre, mais vous imaginez comment le monde serait ennuyeux à chier? Vous imaginez l'ennui sur ce monde? Mais vous parlez des concepts que vous ne connaissez pas. Par exemple, ceux qui disent kikinette, kikinette. Si je me place devant le juge et que je sors mon sgeg, et qu'on mesure le sgeg, et qu'on se rende compte que ça correspond à la moyenne des sgeg, que ça correspond à la moyenne des sgeg au Cameroun. En gros, vous ne pouvez pas dire que mon sgeg est petit. Vous pouvez conseiller mon sgeg petit si la moyenne, par exemple, au Cameroun, c'est 11 cm, que je me retrouve à 7 cm. Mais si on dit que la moyenne dans cette partie du territoire du monde, c'est 14 cm. D'ailleurs, il y a une carte, il y a une carte du monde entier des sgeg par rapport à la taille, en fait, en moyenne. Donc, si on considère que la taille moyenne au Cameroun, c'est 13 cm, et que moi, j'ai 14 cm, moi, je t'attaque pour diffamation. Je m'en vais devant le procureur. On met une gala bien à quatre pattes devant moi, ou la photo d'Ali Berry à quatre pattes, j'en sais trop rien. D'accord? On la met à quatre pattes. Donc, quand mon sgeg est en opération, parce que c'est là-bas, c'est là où la taille compte. Quand il est en opération, prend un double décimètre, je ne sais trop quoi. On mesure. On voit la taille. Voilà. Si on se rend compte que ça fait 10 cm, alors que là-bas, c'est 13 cm, du coup, je ne peux plus t'attaquer. Ça veut dire que quand tu dis que Kikinette, tu as raison. Mais si on mesure et que la taille moyenne, c'est 12 cm, et on tombe sur un 14 cm, je t'attaque pour diffamation, boum. Tu disais, toi, que c'était petit, tu avais vu ça où? Vous avez vu quelqu'un qui sort de la piscine, son dingue du? Gars, si tu sors de la piscine, ton dingue du, c'est que tu es un malade mental, man. C'est que tu es un malade mental. A chouette ou God. Parce que ça, on dit que dès que tu vois une gare en bikini, tu jouis, gars. Mon frère, tout le monde va se barrer. En fait, à la plage, on va te traiter de malade. Si tu vois à la plage, tu as le maillot de bain, et qu'on voit dedans que tu es en érection, mon frère, tout le monde va te prendre pour un psychopathe. Tout le monde te prendra pour un psychopathe. Déjà, quand tu te baignes, le ndeng devient petit. Donc, le juge, d'ailleurs, va te dire ça. Il va te dire, fait scientifique. On n'est jamais à son avantage quand on sort de l'eau. Moi-même, quand je sors parfois de l'eau comme ça, je regarde, j'ai presque la même taille que mon fils. J'ai dit, putain, heureusement que ça ne reste pas comme ça parce que je serais très inquiet. Non, quand tu commandes de l'eau, ton dernier petit, c'est juste que vous ne vous baignez pas au Cameroun. Vous allez vous baigner où? Vous allez vous baigner où au Cameroun? Vous avez des piscines? Vous avez même des douches? Vous allez vous baigner comment? Vous avez des baignoires chez vous? Vous avez l'eau même, est-ce que vous avez même de l'eau potable? Quand tu prends un bon bain à la piscine, ou que tu prends un bon bain à la plage, tu sors ton sgeg tout petit, et vous allez prendre ma photo en maillot de bain. Donc si vous voulez parler d'insulte, je vous explique donc ce que c'est. C'est-à-dire que sur ce point-là, je peux vous attaquer pour diffamation, mais moi, quand je dis que Flore de Lille a un gros cul, c'est pas faux. Quand on dit Marlène, la baleine, un voutou. La baleine représente schématiquement l'animal le plus gros de la faune maritime. Donc, comparer Flore de Lille à une baleine, elle est quand même extra large pour un être humain normal. Comparer Marlène Mvoutou à une baleine, elle est extra large. Ce n'est pas une insulte. Elle ne peut pas nous attaquer pour ça. Je vous mets au défi, hein. Elle ne peut pas.
Ce n'est pas parce que ça vous choque. Ce n'est pas parce que ça vous choque que ça veut dire que c'est condamnable par la loi. Non. Ce n'est pas parce que l'homosexualité vous choque que ça veut dire qu'un homosexuel doit être pendu. Non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas votre sensibilité qui dicte la loi. C'est la norme, la liberté des uns. Un homosexuel, s'il veut se faire sodomiser toute la journée, c'est son corps à lui. Ma femme est large, mais elle n'est pas extra large. En tout cas, ma femme est moins grosse que Flore de Lille, ça c'est sûr. Je n'ai jamais dit que ma femme est mince. Donc si tu veux venir m'attaquer, ça tu mens. Si tu dis que ma femme est grasse, je ne vais jamais t'attaquer, c'est vrai, ma femme n'est pas mince, elle n'est pas Naomi Campbell, elle n'est pas toute mince. Ma femme, elle n'est pas mince, donc c'est vrai. C'est vous qui avez un problème avec la vérité, vous croyez que j'ai un problème avec ça? Non, ma femme n'est pas extra large. Flore de Lille est extra large. Flore de Lille fait au moins le double de manga. Même ma femme enceinte, vous avez certaines photos de ma femme où elle est enceinte, vous voyez, elle a un binti joue comme ça là. C'est les photos où elle est enceinte. Même là-bas, Flore de Lille est plus grasse qu'elle. Marlène Nvoutou est plus grasse qu'elle. Vous avez vu Marlène Nvoutou, elle est comme Bibendum là, vous savez, Michelin. Le truc de Michelin là, c'est Michelin. Voilà. Marlène, on va même l'appeler désormais Marlène Michelin. Et ça, c'est la réalité, ce ne sont pas des insultes. Quand vous dites Marie-Paul Paul est laide, Marie-Paul Paul est grosse comme une truie, elle est la première à venir attaquer les gens sur le physique sur Internet. Si ça, ce n'est pas la connerie, c'est quoi? Prenez une photo de Flore et vous prenez une photo de ma femme, vous mettez côte à côte. C'est très simple à faire. Je vous dis, apprenez parfois à un moment donné à joindre l'acte à la parole, ne pas parler dans le sac. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Apprenez à venir dire, Serge Anango, tu n'es rien, moi je suis. Ne venez pas dire, si ta seule action, c'est de dire, Serge Anango, tu n'as rien dit en fait. Ça vaut que dalle, ça vaut zéro. Hier, vous avez vu une petite fille de 9 ans, vous a rattrapé là-dessus. Une connasse est venue sur mon direct, dit n'importe quoi. La petite fille, elle a pris le téléphone, n'importe quoi, quoi. Finis ta phrase. Elle a 9 ans. Ça dit qu'elle est en CM1. Mais c'est déjà ce qu'on appelle s'exprimer. Il y a une grosse différence entre bavarder et s'exprimer. Quand on s'exprime, on exprime une idée et on va jusqu'au bout de son idée. Et force est de constater que quand cette petite fille a demandé à la nana que prends la parole, tu m'affrontes, il n'y a personne. La nana s'est barrée en courant. Elle s'est barrée. Elle n'a jamais voulu affronter une fille de 9 ans. Vous venez tout le temps dire, oh, tu insultes devant les enfants. Tu insultes les enfants. Les enfants vous disent non. Nous sommes assez intelligents. Pour savoir qu'on n'a pas à répéter ce qu'il vient de dire. C'est à vous de faire attention aux conneries que vous écrivez sur Facebook. En gros, l'enfant à 9 ans a compris que mon langage vis-à-vis de vous est lié aux conneries que vous débitez. Parce qu'elle se rend compte que je ne leur parle pas comme ça. Je ne leur parle pas comme ça. Vous-même, vous me voyez les enfants tout le temps. Vous m'avez déjà vu leur parler comme je vous parle là. Vous m'avez vu parler à ces enfants là comme je vous parle à vous. Vous venez tout le temps dire les enfants. Non! Ils ont un cerveau que je respecte, mon pote. Je ne leur parlerai jamais comme ça parce qu'ils ne sont pas bêtes comme vous. Ils ne sont pas bêtes à ce niveau-là. Vous venez sur un direct, dites n'importe quoi. Vous ne vous rendez pas compte que vous n'avez rien dit. Vous ne vous rendez même pas compte. Fiche le camp. Tu n'as rien dit. Tu as juste ouvert ta gueule pour bavarder, mais tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Tu as exprimé quelle idée par cette phrase? Viens, tu dis n'importe quoi, Serge. Je ne suis pas d'accord avec toi à tel endroit parce que, même si c'est une connerie, au moins tu essaies d'exprimer une idée. Quelqu'un vient dire, fiche le camp. Quelqu'un vient dire, tu n'es rien, Serge. Mais ça veut dire quoi, tu n'es rien? Ça veut dire quoi, tu n'es rien? Je ne suis rien par rapport à quoi? Il faut un référentiel. Il faut d'abord un référentiel. Tout n'est qu'une question de référentiel. Je ne suis rien par rapport à quoi? Si déjà au moins tu pouvais déjà dire, si tu te posais cette question, tu aurais compris que tu as d'abord l'obligation de dire qui tu es avant de pouvoir dire, je ne suis rien. Moi, je parle toujours avec preuve. Cette semaine, j'ai fait un direct où je vous montrais comment j'étais sollicité par les emplois. Et on ne proposait pas n'importe quel salaire. 60 000 euros brut. Vous allez me dire, c'est peut-être pas grand-chose. Mais ça correspond à ce que gagnent seulement 4% des Français en France. Je vous ai montré le texto de la personne. Et pendant que j'étais en direct, vous avez vu, la personne était encore en train de m'appeler. Ça montre qu'on n'est pas fait du même monde. Donc si tu veux venir m'attaquer, me dire que je ne suis rien, prouve-moi que tu vaux bien mieux que moi. Moi, sauf que la plupart du temps, ceux qui disent tu n'es rien, c'est des gens qui ne sont même pas en mesure de prouver ce qu'ils sont. Tu n'es rien, mais montre alors ce que tu es. Je ne suis pas obligé de montrer ça sur Facebook, mais tu viens alors commenter pour les autres, pourquoi? Moi, je montre au moins, pour montrer que j'ai la légitimité. Quand je viens dire que tu n'es rien, je démontre que j'ai la légitimité pour te traiter de rien. Quand je dis que tu es nul en mathématiques, je suis obligé de démontrer que j'ai la légitimité pour te traiter de nul en mathématiques. Tu ne viens pas là, tu n'as pas le CEP, tu vois un ingénieur, tu dis ingénieur dans sa tête, tu n'as rien dit. Tu as juste bavardé, mais tu n'as absolument rien dit.
Si tu crois que tu dis ça à un moment donné, tu peux choquer quelqu'un, mais c'est que tu as un problème dans ton cerveau. Tu crois qu'en venant dire ça là, tu enlèves tout ce qu'il y a dans ma tête? Vous croyez vraiment qu'en allant faire des directs dans des trucs à la con, pour dire ingénieur dans sa tête, s'enlève mon diplôme? Vous êtes sérieux là? Vous ne dites rien, vous êtes sur Internet pour bavarder, mais vous ne dites rien. Comme l'a dit quelqu'un hier sur STV, on vous a donné la liberté de bavarder, on ne vous a pas donné la liberté de vous exprimer. Voilà pourquoi vous bavardez, blablabla, bla, 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 mais Paul Bia ne vous cherche jamais. Paul Bia cherche ceux qui s'expriment. Quand Max se met en direct, il se met en direct pour s'exprimer, pour exprimer une idée. Et en ce sens, il n'est pas libre au Cameroun. Quand je me mets en direct, c'est pour exprimer une idée. Je m'exprime. Même si c'est ponctué du gros cul de vos mamans, je m'exprime. En ce sens, au Cameroun, je serai arrêté. Mais ceux qui sont bavards, qui ouvrent leur gueule pour caqueter, pour dire des conneries, ils ne risquent rien au Cameroun. Ils ne risquent rien. On vous donne la liberté de bavarder, mais on ne vous donne pas la liberté de vous exprimer. C'est ça la différence. Oui. Mais non, tu n'as pas dormi, Chonovic. Il faut que tu te couches encore un peu. J'ai fini le direct et je viens te chercher. Dès que j'ai fini, je viens. Oui, j'ai déjà dormi. Non, mais couche-toi, je vais venir te chercher. Repose-toi un peu. Sinon, tu vas ranger un peu ta chambre, alors. J'ai déjà dormi. Regarde, papa a rangé tout dans la maison. Va maintenant ranger ta chambre. Après, on y va. Va, tu dis que tu as fini de ranger ta chambre, on y va. Ouais, comment on est obligé de trouver les prétextes pour calmer un moment. Normalement, je dois go au parc avec lui. Mais si je ne lui donne pas des arguments comme ça, le gars n'entend rien. Si je dis, mouf, va dans ta chambre, il va me regarder comme ça. Il va me dire, hein? Tu parles comme ça à qui? Donc là, tu vois, je suis obligé de trouver des astuces là pour l'occuper. Parce que c'est comme ça. Avec les mounas ici, c'est un jeu de... Hein? C'est comme ça que l'enfant réfléchit aussi. Parfois, pour me contrer, quand il se rend compte que là, je suis un peu trop malin, paf, il me contre. Et c'est comme ça que son cerveau se développe. Et c'est comme ça que vous avez un enfant qui a 4 ans, raisonne mieux qu'un adulte comme Longuet qui se met à genoux pour demander pardon. Ce n'est pas la magie, en fait. Ce n'est pas la magie. C'est que je ne parle pas à mes gamins comme je vous parle à vous. Parce qu'il raisonne. Mon fils sait qu'on doit aller au parc, mais il n'a pas la notion d'heure. Je lui ai dit, on va aller au parc vers 4 heures. Si lui dit qu'il est 2 heures, il ne va rien comprendre. Lui, il veut qu'on aille au parc. Donc, il considère qu'il a dormi. Pourtant, il n'a même pas dormi 25 minutes. Hein. Mais il considère que c'est reposant d'aller au parc. Là, je lui explique comment qu'il n'est pas encore 4 heures. Il n'a que 4 ans. Ce n'est pas dans son cerveau. Donc, il faut que je trouve un moyen de lui dire que, gars, on ne va pas maintenant. Si je lui dis, si je lui donne pas de raison, il va pas me lâcher. Si je lui donne pas de raison valable, il va pas me lâcher. Là, je lui ai sorti un truc, gars, arrange ta chambre le temps que tu finis. Dès qu'il va finir ranger sa chambre, il va venir me voir. Si je n'ai pas un autre truc de valable pour m'occuper de lui, il ne va pas me lâcher. Parce que l'enfant connaît son droit. L'enfant a dit, on va aller au parc, tu as promis. Et si tu promets, c'est une dette bombe. Quand tu dis à l'enfant qu'on va faire, tente de ne pas faire. Brillant savoir, et tu ne peux pas t'empêcher de venir nous regarder. Tu souffres même, mon frère. Tu es ingénieur, donc prends la parole, on s'affronte en tant qu'ingénieur. Prends la parole. Sawa, je te donne la parole, tu viens, on se parle en tant qu'ingénieur. Comme ça, tu montres que tu es aussi valable que moi. C'est bien, c'est exactement ce que je cherche. Je veux des gars qui me disent je suis ingénieur et qui me prennent, qui m'affrontent, qui me montrent qu'ils sont plus ingénieurs que moi, comme c'est ça, comme c'est la concurrence. Tu ne peux pas te dire, Serge, tu es ingénieur, je suis ingénieur, construisons le Cameroun. Tu viens me dire, Serge, tu es ingénieur parce que tu veux juste me montrer que tu es aussi quelque chose. Prends la parole, je te donne la parole. Je te donne la parole. Je lui donne la parole, ma feu. S'il ne prend pas, je le bloque. S'il ne prend pas la parole, je le bloque. C'est facile, n'importe quel idiot peut créer un faux profil, venir aussi dire qu'il est ingénieur. Prends la parole, tu me dis dans quel domaine tu es ingénieur et on discute. Je suis en train de t'envoyer la demande, ça met à jour en cours. Mets ton téléphone vertical, tu acceptes. Vous aimez trop, vous croyez qu'il suffit de venir dire on est ingénieur. N'importe quel faux profil peut faire ça. Voilà, bien savoir, tu es ingénieur en quoi? Bonsoir, ça, bien savoir. Bien savoir, bonsoir. Ouais. Donc, tu es sur tous mes directs, en fait. Hein. Je suppose, oui, je suis. Je fais partie. Non, je t'ai dit, je fais partie de la base. Donc, d'accord. Et pourquoi ça te... Donc, tu le combat n'est pas à ce niveau, Serge. Le combat n'est pas à ce niveau. Oui. On ne peut pas toujours parler de soi. On a d'autres choses à dire. Sensibiliser le Camerounais au lieu de se focaliser sur la personne. Et c'est tout. Et tu ne me vois pas sensibiliser les Camerounais. Mais je trouve que dans tes débats, tu es toujours un peu focalisé. Mais tu ne vas pas sensibiliser les Camerounais. Je suis ingénieur. On ne doute pas non. De ton diplôme. Attends, tu es ingénieur. Stop deux secondes. Mais bon, ça ne sert à rien de nous rappeler ça tous les jours.
peut-être ça va pas s'excuser comme ça. J'ai rien contre toi, je suis toujours avec. Mais est-ce que tu peux faire aussi un direct pour bloquer les Camerounais comme tu entends le combat? Mais c'est on ne t'attend pas, parle, tu m'écoutes, cher ami. Attends. Oh. Tu vas bien mettre en face de la caméra. Tu assumes, voilà, tu es bien placé là, en face de la caméra. Sors, tu te stabilises. Sors du bis même à un arrêt là, tu te stabilises de ce qu'on s'il te plaît. Donc, je vais t'en rappeler tout à l'heure. Non, je ne vais pas rester sur le direct de la police. Regarde, c'est, je suis dans le bus, il y a du monde, je ne peux pas trop m'exprimer. Comment même bus, à l'arrêt, si ça commence à se défoncer. D'accord, je te rappelle. Le bus d'après, non? Comment tu prends le bus d'après? Ah putain, c'est pas possible. Vous avez vu, il a la tête d'un brillant ingénieur, ça se voit. Money making, prends la parole, je vais te laisser parler. Money making, prends la parole. Prends la parole, comme je veux toujours avoir raison. Prends la parole, money making. Et les couilles de prendre la parole. Lui, au moins, il a eu les couilles de prendre. Ah, refusé. Voilà, dans money making, tu dégages. Voilà. Voyez donc le mec qui prend la parole. Non, je n'ai rien contre toi. Je te respecte. Tu fais des directs, tu ne parles que de toi. Oui, je parle de moi pour vous sensibiliser, connard. Ça, c'est la partie que tu n'as pas compris, bien que tu sois ingénieur brillant. Je parle de moi pour mieux vous montrer la légitimité que j'ai de vous demander ce que je vous demande. Je ne parlerai jamais des autres. Vous, vous faites des directs, vous parlez des autres. Le combat n'est pas là, le combat n'est pas là. La base vient de faire un direct de 1300 vues pour parler de ce qu'il y avait hier. En quoi mon direct va à l'encontre de ce travail? Les gens sont toujours à bavarder. Ils pouvaient sortir du bus. On est le samedi, les bus passent. Ils peuvent sortir du bus à un arrêt. Ils discutent avec moi, ils reprennent le bus après, ils partent. Ici, le bus passe tous les 10 minutes, pas plus. Hein. Il n'est pas en train de faire un voyage. Il dit qu'il est sur 120 de mes directs, il regarde, je parle tout le temps. Il ne comprend même pas il ne comprend même pas finalement la leçon du direct. Les gars ne comprennent rien. Les gars ne comprennent rien finalement. Fresnel dit. Tu as le nom d'un physicien. Prends ça, tu. Les miroirs de Fresnel. Comment tu vas, Fresnel? Ça va très bien, monsieur Serge. Je donne deux petites minutes. Ouais, en fait, je voulais profiter de ton direct pour faire passer un message à tous ceux qui pensent que il faut toujours faire partie de la politique afin d'être frappé par la politique. Concernant Flore de Lille, quand elle dit souvent qu'elle n'est pas qu'elle ne fait pas partie de la base, tout ça, elle n'est pas dans la politique et tout. Aujourd'hui, elle s'en rend compte que c'est la politique là qui est en train de la frapper comme ça. C'est pour faire passer le message à tout le monde que la politique, si tu ne fais pas, ça va te faire, en fait. Et aussi, j'aimerais demander pourquoi vous n'organisez pas les débats. Vous deviez organiser les débats parce que quand moi je regarde votre combat, il est légitime de la base et... Stop. Là, j'ai un problème avec toi. Quand tu dis votre combat, tu risques la suspension directe. Parce qu'on est tous Camerounais, c'est notre combat. Bon. C'est pas parce qu'on est acteur que tu n'es pas concerné. Oui, c'est vrai. Tu viens de dire chaud, tu te contredis. Attends, tu viens de dire chaud. Oui, c'est vrai. Tu dis qu'elle n'est pas politique. Non. Parce que si tu ne fais pas la politique va se faire et 10 minutes après, désolé, tu dis votre combat. Désolé, monsieur Sen. Quand vous venez parler, je vais faire attention, je suis hyper minutieux. Désolé. Peut-être j'ai utilisé le mauvais vocable. D'accord, pas de souci. Je reconnais réellement. Je reconnais. Mais je pense que les débats devaient être aussi quelque chose de très important dans le combat que la révolution mène, en fait. Parce que en réalité, quand je regarde, je vois que la base, par exemple, parce que, désolé, je ne suis pas de la base. Je ne suis pas de la base. Je dois devoir le dire comme ça pour que ce soit un peu plus cohérent, pour que je sois un peu plus cohérent. Je ne suis pas de la base, mais je vois que la base fait un bon travail dans, concernant le boycott des artistes, un peu dans ce sens-là, c'est un très bon travail. Moi, je trouve que c'est un travail noble et loyal que je dois préciser que c'est quelque chose de formidable pour moi, déjà. Et je pense que à chaque fois quand il n'y a pas de débat, parce qu'au sorti des débats, on a des idées contre qui s'affrontent pour pouvoir éclairer le public et donner un sens au combat qu'on a. Mais je pense que la base ne fait pas de débat. Et si la base ne fait pas de débat, ça veut dire qu'ils ont
une façon de jouer la dictature que le système néocolonial qu'on a au Cameroun fait sur la population. Je suis obligé de te couper. Je vais attendre. Oui. Alors, la base, ça s'appelle une brigade. Ce n'est pas un parti politique. Les débats, c'est dans les partis politiques. D'accord ? C'est dans les organes de réflexion, dans les think tanks, quand on fait du brainstorming. La base, dans l'armée, on ne débat pas. Dans l'armée, on exécute des opérations. On reçoit des ordres, on exécute. La base est un... La base, c'est la branche militaire de la contestation en Europe. Donc, la base, objectivement, n'est pas là pour débattre. D'ailleurs, quand ils ont soumis la recevabilité des Nyangono au vote, c'était pour mettre les Camerounais en face de leur contradiction. Oui. D'accord ? Oui. C'était pour mettre les Camerounais en face de leur contradiction, mais ce n'était pas parce qu'ils devaient prendre ça en compte. La base est un organe d'exécution. Ils ne sont pas là pour débattre. On ne débat pas parce que quand il s'agit d'aller bloquer un artiste sardinat, on ne débat pas. Est-ce qu'il est sardinat, oui ou non ? Le débat est en amont. Peut-être. Mmh. Quand il y a parfois sujet à débat, des situations sujet à débat, par exemple, quand il a fallu traquer les hommes d'affaires, on a eu un débat en interne, on a jugé que ça ne servait à rien. Les hommes d'affaires ne sont pour rien dans ce qui se passe. Et la brigade anti-Sardina a arrêté. Mais c'est des débats. Il y a des gens qui réfléchissent et qui suggèrent à la brigade anti-Sardina. Mais quand quelqu'un est sardinien, il n'y a pas de débat. Donc, si tu veux les débats, va voir les patriotes. Parce que nous voulons débattre avec les patriotes pour qu'ils nous expliquent ce qu'on appelle le patriotisme. C'est eux qui se barrent. Ce n'est pas nous qui les fuyons. Mon direct, il est ouvert. Je vais faire la même chose concernant ces gens. Je vais faire la même chose. Je vais leur demander d'aller. Mais voilà, parce que c'est très bien. Ta démarche, je la respecte. Oui. C'est très bien de vouloir les débats. On ne pourra. Mais j'ai encore envie de vous dire que ce n'est pas. J'ai encore envie de dire que ce n'est pas aujourd'hui qu'il fallait venir faire la demande. Non, c'est pas moi qui fais la demande. Laisse-moi finir. Fais la demande. Je regarde une situation, monsieur Sèche. Je regarde. Non, mais la situation, ça dure 6 mois. Oui, mais c'est vrai. Il était temps que tu reviennes, mon pote. La zombification du Cameroun dure 6 mois. Mais un jour, vous êtes sorti du noir pour mettre ça devant. Il faut accepter qu'à un moment donné, il y a mais des oui, gens... Mais ça fait 6 mois, cher ami. Ça fait 6 mois qu'on demande des débats. Attends, tu nous suis depuis combien de temps? Je te suis depuis le début. Avant même la base. Bon, voilà. Alors, stop. Je suis obligé de te dire une chose. Je vais te dire quelque chose qui va te plaire. Ben, t'es un con. Je vais t'expliquer pourquoi. Avant que tu crois que c'est une insulte. Si tu nous suis depuis le début. Combien de fois Calibri s'est mis en direct et a demandé au gars de la brigade anti-patriote de venir débattre avec lui? Combien de fois? Combien de fois Dre Boni a demandé des directs à ces gens? Laisse-moi finir. Combien de fois je leur ai demandé de venir débattre chez moi? Combien? Alors donc, ce n'est pas à moi que tu devais servir cette leçon. Tu es au très mauvais endroit. Nous, je ne te fais pas de leçon, monsieur Serge. Vous ne vous écoutez pas. Ce n'est pas ici que tu dois dire. Je profite de votre place. Voilà, écoutez-moi aussi. Tu viens me dire quelque chose que je connais. Non, il n'y a pas de discussion. Mais ne viens pas sur mon direct, me dis ce que je connais. Va chez les patriotes, leur dis. Tu serais plus utile. Va chez les patriotes, c'est eux qui sont fermés au débat. Ce n'est pas nous. OK. Mais ne viens pas sur mon direct, me dis quelque chose que je connais. Tu ne m'apprends rien. Tu me perds le temps. Non, je n'ai pas... Tu me perds le temps, tu viens me perdre 10 minutes. Tu viens me dire quelque chose que je connais. Va chez les patriotes, eux, tu serais utile. Va leur dire de s'ouvrir au débat. Nous, on est prêts. OK. Ah ben ça, il n'y a pas de problème, nous, on est prêts. Ok, merci. Et j'aimerais aussi te poser une question. J'aimerais aussi te poser une question. Je peux au moins. Ok, j'aimerais te poser une question concernant la crise anglophone. Parce que je vais avouer, je n'ai pas écouté toutes vos résolutions concernant la crise anglophone. Mais je veux savoir quelles sont les dispositions que vous avez prises, vous, de la base, pour que le problème de la crise anglophone et le laxisme des francophones s'arrête à un moment donné pour qu'ils s'indignent collectivement. Très bien. Bon, encore une fois, tu m'as dit que tu nous suis depuis combien de temps? Je ne suis pas quelqu'un qui suit tous les lives, mais je peux à chaque fois lire les commentaires pour essayer d'écouter. Ceux qui me demandent de se calmer là, sachez que vous êtes bloqués au fur et à mesure. Hein. Vous ne venez pas sur mon direct. Donc, tous ceux qui écrivent calme là, vous êtes bloqués rapidement. Moi, je l'écoute assez bien. Hein. Je l'interromps quand il dit une connerie. Je n'ai pas la patience, je n'ai pas le temps. Si vous voulez l'écouter longtemps après, appelez-le, prenez son numéro. Si vous me direz, je n'ai pas la patience d'écouter quelqu'un qui s'égare. Quand tu t'égares, je te recadre. Moi, j'ai 2 heures de direct, je n'ai pas tout l'après-midi. Donc, ceux qui veulent l'écouter jusqu'au bout. Attends, laisse-moi finir. Je parle aux gens qui m'écoutent. C'est la dernière fois. Ceux qui veulent écouter ce monsieur jusqu'au bout de son raisonnement, prenez son contact après, vous allez l'écouter. Quand il s'égare, je le recadre. Celui qui n'est pas content, il est bloqué. Moi, j'ai ma ligne directive. Je suis le manager de ce direct. Je sais où je m'en vais. Donc, s'il s'égare ou il parle de quelque chose dont j'ai déjà parlé il y a 3 semaines, je ne vais pas l'écouter. Ça me perd le temps. Je ne fais pas des directs pour revenir sur les directs.
S'il me parle d'un truc que j'ai expliqué dans un direct il y a 3 semaines, je ne vais pas lui expliquer ça. Et je ne vais pas le laisser développer pour essayer de m'expliquer quelque chose que moi, j'ai déjà expliqué. Je n'ai pas que ça à foutre. Si vous voulez l'écouter longuement, vous le remarquez. Il a donné son nom. Son nom, c'est Fresnel G. Vous le contactez après, vous l'écoutez calmement pendant 5 heures. Mais ça ne sera pas sur mon direct. J'espère que je suis clair. Maintenant, quant à ta question, tu me demandes ce que la BAS a fait comme résolution, a pris comme résolution pour le conflit anglophone. Oui, là mais encore, tu n'as pas compris la définition de la BAS. Je ne parle pas de la contribution. Là encore, il faut qu'on maintenant, la BAS, écoutez, mes chers amis, voilà donc pourquoi on a eu des problèmes le mois dernier. Voilà donc pourquoi on a eu des problèmes le mois dernier. Parce que vous n'avez pas compris le rôle de la BAS. Vous pensez encore que ça a calibré de venir régler le problème du Cameroun, vous croyez que c'est la brigade anti-sardinade. La brigade anti-sardinade est chargée de l'extraterritorialité, c'est-à-dire qu'elle protège les intérêts du Cameroun à l'étranger. Par exemple, depuis que la brigade anti-sardinade est opérationnelle, ouais, tous ces ministres qui venaient dépenser de l'argent, Mandela, oui, au pouvoir, le pouvoir en place, non, je serais pire qu'eux, parce que le pouvoir en place a beau être malhonnête, il tolère la bêtise. Moi, je ne tolérerais pas la bêtise, je serais pire. Je buterais les connards. Donc, toi, tu dégages mon direct, voilà. Vous n'aimez pas les gens qui ont du charisme, en fait. Ça vous pose problème. Vous aimez les gens qui sont mous. Non, je ne parle pas de toi. Je parle avec toi. Quand vous parlez, je ne parle pas de toi. Ah, ok. Je ne parle pas de toi. Ok, ok. Je ne okay. parle pas de toi. Je parle de ceux qui écrivent. Ah, ouais, ça va. Il y a des gens qui pondent des bêtises, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont bloqués assez rapidement. J'étais en train de dire que quoi ? Que la brigade anti-sardinade est chargée de l'extraterritorialité. Ouais. C'est-à-dire que son rôle, c'est d'empêcher la fuite des capitaux camerounaises. Que les gens viennent dépenser l'argent ou les gens utilisent votre argent pour venir passer du bon temps en Europe. Le rôle de la brigade anti-sardinade, c'est celui-là. Son rôle, ce n'est pas de venir régler au conflit anglophone. Je crois que c'est là où il y a confusion. Oui. La brigade anti-sardinade n'en a pas les moyens. Donc, ne viens pas demander. C'est un peu comme si je te demandais qu'est-ce que toi, tu as fait comme résolution pour régler le conflit israélo-palestinien. C'est la même question, en fait. C'est la même valeur de vérité. C'est-à-dire de poser la question à une personne qui n'a ni les moyens ni les attributions pour les régler. La brigade anti-sardinade, je crois que vous vous êtes trompé complètement sur leur rôle. Et il convient à la brigade anti-sardinade de redéfinir quel est son rôle. La brigade anti-sardinade n'est pas celle qui va aller chasser Paul Biya. Le conflit anglophone peut se résoudre par des politiciens camerounais ou par des Camerounais qui se lèvent tous comme un seul homme pour dire non. Et c'est ça le rôle de nous, communicants. C'est de vous donner des raisons. C'est ce que Marx fait tous les soirs. Vous donner des raisons pour que vous vous levez pour dire stop. Si on n'avait pas besoin de vous pour régler cette affaire, on ne serait pas en train de parler tous les soirs. Vous croyez qu'on vient vous parler en direct pourquoi? Okay. C'est une façon de vous réveiller. Merci bien. Ça répond à ta question? Mais, oui, très ça bien. Répond tellement à ma question. Je suis satisfait. Maintenant, j'ai... Donc, tu as maintenant compris à quoi sert la brigade anti-sardinade ou pas? Oui, parfaitement. J'ai une dernière question. Est-ce que tu pourras l'expliquer aux gens autour de toi? Ouais. Très bien. Merci beaucoup. C'est là où tu le sais. Ne t'inquiète pas, je vais le faire. Maintenant, j'ai une dernière question. On dirait Colombo. Vas-y. Bon, concernant vous, j'aimerais prendre un exemple parce que vous, peut-être, vous êtes en Europe depuis longtemps. Nous autres, nous avons peut-être un an et demi en Europe. Donc, nous n'avons pas tellement vécu en Europe comme vous et nous n'avons pas toute cette expérience du système européen. Nous, on s'imprègne de ça, en fait. Donc, nous n'avons pas encore... Ouais, on s'imprègne de ça, merci. Bon, maintenant, le système au Cameroun a tellement duré que 36 ans, c'est énorme. Ils ont installé un bon nombre de personnalités dans toutes les administrations et tout ça. Je pense que... Bon, je ne sais pas si c'est une question, mais je vais dire ainsi. Je pense que le fait... La brigade anti-sardinat est venue un peu brusquement et c'est pour ça que les Camerounais n'ont pas encore compris peut-être le rôle de tous ces activistes, de nous, activistes politiques. Hein? Ils n'ont pas compris ce rôle-là et ils sont un peu surpris. Je pense que la méthode aussi de ce débat que je dis, parce que ce débat va avoir un rôle... Encore une fois, stop. Je t'ai expliqué, si tu veux les débats, tu sais à qui t'adresser. Non, on ne va pas se répéter, s'il te plaît. Après, à mon tour, tu as compris. La méthode des débats, je suis tout à fait d'accord avec toi que pour mieux faire comprendre aux Camerounais ce qu'ils doivent comprendre, il faut des débats. Et si on avait suffisamment eu la possibilité de débattre avec les gars de la brigade antipatriote, ils seraient morts aujourd'hui. On aurait prouvé à chacun qu'ils sont nuls.
Moi, j'ai fait un débat avec Président Amot. Je n'ai même pas eu besoin de l'insulter. Chacun a compris qu'il était nul. Effectivement, si on débattait avec eux, on avait les moyens de montrer qu'ils étaient nuls. Mais eux, ils évitent le débat. Je ne peux pas débattre avec quelqu'un. Je ne peux pas forcer quelqu'un à débattre avec moi. Pour débattre, il faut être deux. On est obligé de les attaquer à distance. Ce n'est pas aussi efficace que si on les avait en face pour déclencher la mentalité. Maintenant, venez dire que Paul Biya a mis les gens dans les administrations, machin, bidule. Oui, ce n'est pas parce qu'on met les gens dans les administrations qu'on est puissant. Le pouvoir est au peuple. Paul Biya est fort parce que le peuple est bête dans sa tête et le peuple n'est pas conscient de son pouvoir. Il y a un salopard tout à l'heure qui demandait qu'est-ce que les artistes ont fait avec les capitaux. Les artistes... Non, laisse, tout à l'heure, n'explique pas l'autre. Là, moi, je sais, à voir son donc, commentaire. J'ai lu. Ça va, ça n'a pas de sens. Il ne sait pas le rôle d'information que les artistes ont. Les artistes n'ont pas juste un rôle pour animer la galerie, mais ils ont aussi la mission d'informer le peuple, un peu ce que Valsero fait, un peu ce que Longa a fait précédemment. C'est ça le rôle d'un artiste. À chaque fois, quand tu fais par exemple, l'œuvre doit avoir un message. Ça doit passer un message pour tous ceux qui sont en train de t'écouter. Ça ne doit pas seulement être du divertissement. Et j'ai vu pas mal de vidéos de moustiques, même comme il est banni, mais il a du message. Ce monsieur a parfois des messages concernant la situation camerounaise. C'est ça. C'est ça un artiste. Un artiste doit avoir ça. Mais quand le monsieur là vient écrire des conneries comme ça, ah bon, ça va. C'est, ça ne sert à rien. Merci beaucoup. De toute façon, il est bloqué. Il est bloqué. En fait, j'ai vu une autre personne qui dit ingénieur. Oui, ingénieur. Si ça te choque, va passer ta part de diplôme, tu viens speak. Ingénieur. Il y a quelqu'un qui s'avère qu'il a ce pang de connard. Merci. Le Camerounais, c'est celui que tu le passes, il te souhaite malheur et il nie. Voilà la cathédrale. La cathédrale se fracasse. Oh, on n'est pas là pour pleurer avec vous. C'est votre problème. On cotise l'argent, on dit on va construire la cathédrale. Demain, vous êtes encore les premiers à dire les Blancs, là, en moins de 3 jours, 1 milliard d'euros pour la cathédrale, la famine qui est en Afrique. Bah oui. Passez le temps à insulter les ingénieurs, ça va régler votre famine. Pour avoir de la politique agricole, les appareils qui construisent, qui font les appareils que vous avez au champ, là, c'est les ingénieurs qui les fabriquent. Ton putain de téléphone que tu as entre les mains, c'est un ingénieur qui le fabrique. Et tu viens sur Facebook insulter un ingénieur parce que tu es un zéro, je n'ai pas le droit de dire que je suis ingénieur. Ingénieur. Celui qui n'est pas content, qu'il aille se faire foutre. Ah ben, vous dites aussi que je suis la maison du voisin, n'est-ce pas? C'est votre kiff. Quand vous ne pouvez pas attaquer, il a prêté la maison de son voisin. Je ne suis pas chez moi, j'ai prêté la maison du voisin pour faire un direct. Assois-toi aussi dans ton canapé. Le canapé, c'est ma sang. Hein. Donc, quand je suis là, même, je suis hyper relax, j'appuie sur un bouton. Le genre de canapé qui ne peut pas fonctionner au Cameroun parce qu'on va couper l'électricité. Moi, j'appuie sur les boutons comme ça réagit, vous voyez. J'appuie sur un bouton et hop, c'est électrique. Tu mets ça au Cameroun, le mec qui va mettre ça en position comme ça, ça va caler parce qu'on va couper l'électricité. Idiot. Et c'est les ingénieurs qui règlent le problème d'électricité. C'est les gars comme moi. Mettez les gars comme moi au poste au Cameroun, vous aurez de l'eau potable, vous aurez de l'électricité. Donc, je rappelle tous les jours que je suis ingénieur, pour que l'État camerounais se rende compte qu'ils ont besoin des gars comme nous. Ils n'ont pas besoin de Messanga Nyamding. Ils ne peuvent rien produire. Ils n'ont pas besoin de Onangini. Ils ne peuvent rien produire. D'accord? J'ai la spécialisation dans les centrales nucléaires. J'ai la spécialisation dans le traitement des eaux. Deux choses vitaux que vous n'avez pas. Deux choses vitales, pardon, que vous n'avez pas. Donc, oui, ingénieur. Hey, je vais le dire jusqu'à ce que le mot ingénieur va finir du langage français. Bande de crétins. Merci. Pourquoi je vais avoir honte de ça? Monsieur Serge, est-ce que vous pouvez aussi de temps en temps, parce que ma page peut-être de temps en temps votre... C'est pas grave. Cherche l'aspirateur, bouge pas. Attendez. J'ai ma fille qui a cassé les verres. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Autant pour vous de partager, ma fille a cassé les verres. Je préfère gérer le dossier moi-même de peur qu'il ne se blesse. Il n'y a pas de problème. À tout de suite. Je mets la musique, le temps pour moi de revenir. Vous restez où vous êtes. Je mets la musique, je m'occupe de ça et je reviens vers vous. Merci beaucoup, Colombo, d'être venu. Hein. Ok, merci. Ouais. Non, je te...
prends dès que je reviens, je mets la musique, je m'en vais débarrasser. Ma fille a cassé des verres là. Et j'ai pas envie de faire le con après, on se retrouve en train d'aller aux urgences, donc non. Tu voulais prendre un lait? Tu veux prendre le bain pour papa?
Eh ben voilà. Tiens, il chantait bien à l'époque. Hein. Ivan Nanko, ok, très bien. On intervient rapidement. Oui, très bien. Ivan Nanko, à la parole. Ah ben, impossible de t'afficher, mon cher Ivan. Donc, il faut que tu partes. Il faut que tu sortes et tu reviens. Bon. Ah, cette musique, elle a le goût. Elle a un goût, un genre, là. Et à chaque fois, je le répète, puisque les gens disent que je me répète beaucoup. Il n'y a pas que le fait que je sois ingénieur que je répète. Hein. Je répète aussi, entre autres, que les merveilles comme ça qui sont chantées par d'autres tribus camerounaises, je me l'approprie comme mien. Je suis camerounais. Et quand je suis camerounais, c'est être fier quand Rindio chante bien. Parce que ce n'est pas un Tchang qui chanterait comme ça, d'ailleurs. Moi, tant que Tchang, je dois reconnaître que Tchang sont sans doute bons. À autre chose, sans doute à élever les porcs, j'en sais rien. Mais certainement pas la musique. Donc si je voulais compter sur un Tchang pour chanter comme ça, je suis mort, gars. J'allais d'ailleurs sans écouter la bonne musique. Imaginez un seul instant que j'étais tribaliste. Et que je disais que je n'écoute pas la musique des autres gens. Mais j'étais mort, gars. J'étais mort. C'est pas un Tchang qui peut chanter comme ça, mon frère, jusqu'à ce que j'ai des frissons. Jamais. Jamais, gars. Non, 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 le tribalisme, c'est une connerie. C'est bien ça, la preuve. C'est bien la preuve que le tribalisme, c'est d'une idiotie complètement crasse, quoi. C'est d'une idiotie. Eh oui. Eh oui. Quand tu écoutes des Didi Bango, comment voulez-vous pas que je sois fier d'être camerounais pour lui, si je commence à dire, ah, il est droit là, je suis Tchang. Ah ouais, merde, putain, il n'y a pas de Didi Bongo Tchang. Hein. Il n'y a pas, il n'y a pas. Déjà, le Tchang s'écrit bizarrement. Déjà, pour écrire le Tchang, tu ne peux pas utiliser l'alphabet latin. Allez-y, écris chien en Tchang, vois, tiens, allez, écrivez-moi chien en Tchang. Ça n'a pas de sens. C'est un son qui n'existe pas. Écris-moi cheval en Tchang. C'est un son qui n'existe pas. C'est un son qui n'existe pas en français. Le Tchang, c'est une langue bizarre, ce truc-là. C'est comme le chinois qu'on a importé chez nous. Merci, non, non, c'est bon, mon garçon. C'est comme si c'est le chinois parce que je ne sais pas écrire. Si on me demande écrit chien en tchang, écrit chien là, je ne sais pas écrire parce que les mots tels que ça se prononce, dans l'alphabet latin, je n'ai pas ces mots-là. Vas-y, dis en tchang, pars. Tu veux dire en tchang, pars. Pars. C'est un son qui n'existe pas en français. Re. Bah, tu écris re comment en français? Ça n'existe pas. C'est une langue de merde. Je vous jure, c'est une langue de merde. Chien, c'est un prou. Ben, t'écris ça comment en français, toi, tiens? Non, le doigt, là, au moins, c'est bien écrit. Tu peux bien écrire le doigt, là. C'est fait pour l'alphabet latin, j'ai envie de dire. Si tu veux écrire le doigt, là, le tien, tu es obligé de prêter chez les Arabes. Comme par exemple, Kadhafi. En arabe, c'est Kadhafi. Et là, le kha, oui, ça existe en tien. Ça n'existe pas. Ce son kha, ça n'existe pas en français. T'écris ça comment? Non, c'est une langue de merde. Je le dis, c'est une langue de merde. Ça ne me manque pas de ne pas parler cette langue. Voilà. Celui qui n'est pas content, il y en a qui sont pas contents. Eh bien, qui se pendent. C'est une langue de merde. Et en plus, les chants de chants aussi, c'est les chants de merde aussi. Hein. Franchement, vous imaginez que je vais aller à une soirée de coloc. Vous savez, le truc là qu'on appelle en chant les colocs, là, tu vas, tu danses comme ça là. Vous croyez que je vais m'éclater dans une soirée comme ça? Putain, j'ai envie de me suicider. En revanche. Non, 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 non. Soleil vivant, arrêtez de penser que dès qu'on n'est pas d'accord avec un truc, c'est qu'on. Je respecte la langue de Tchang, mais je dis que c'est une langue de merde, c'est tout. Point bas, c'est mon point de vue. Respecte ma liberté de penser, bon. Respecte ma liberté de penser. Vous ne pouvez pas me demander de respecter quelque chose en faisant obstruction à ma liberté. Respecte ma liberté de trouver que le Tchang, c'est une langue de merde. Là, vous êtes toujours dans la solution de facilité parce que si j'étais droit là, vous seriez en train de dire que tribaliste. Oh, c'est un tribaliste. Oh, il dit ça parce que ceux qui sont. Je suis Tchangbom, tu peux pas m'attaquer à ce niveau-là. Tu pourras pas m'attaquer à ce niveau-là. Vous êtes mal barré. C'est comme quand on dit que le noir est un être maudit. Si j'étais blanc, vous seriez en train de dire racisme. Vous aurez oublié ce pourquoi. Je donne des raisons pour lesquelles le noir est maudit. J'explique. Mais Brice, Prince Mathieu, tu es fier de parler féfé, c'est ton droit en bombe. Est-ce que je t'ai demandé d'être triste, mon frère? C'est ta liberté, mon ami. Celui qui trouve que le Tchang est une belle langue, il est parfaitement libre. Il ne sera pas bloqué sur ce direct parce qu'il trouve que le Tchang est une belle langue. C'est son droit. Il sera bloqué s'il essaie de m'imposer à moi d'accepter que le Tchang est une belle langue. Là, il fait obstruction à ma liberté. Et oui, il est de nature, il est de nature à se faire fumer et à se faire bloquer. Mais celui qui trouve que le Tchang. Quelqu'un a le droit de trouver que le Douala, c'est une langue de merde. Moi, personnellement, le Douala, c'est la plus belle langue d'Afrique. C'est la plus belle langue d'Afrique, le Douala. C'est pas le Tchang. Je ne vais pas dire que le Tchang, c'est une belle langue parce que c'est ma langue. Pourquoi je vais dire que le Tchang, c'est une belle langue alors que le Tchang n'est pas ma langue, mon frère? Alors que c'est pas vrai. Parce que c'est ma langue. Vous croyez que c'est parce que ma mère, vous croyez que c'est parce que le repas qui a été cuisiné, c'est celui de ma mère, que c'est la meilleure des cuisines? Ça, c'est des conneries, ça. Non, non, non. Apprenez à apprécier pour améliorer.
Tamates et Cuisine m'a dit que, gars, tu t'es planté, bon. Non, 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 c'est de la merde, c'est de la merde. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Tu dis la vérité. Comme ça, la prochaine fois, elle va bien cuisiner. Si tu passes ton temps à dire c'est bien cuisiné, comment elle va s'améliorer? Donc, en gros, man de, donc, dit que le tiang est une langue de merde peut valoir qu'on me traite de sardinard. Donc, tu es en train de légitimer la connerie, quoi. Tu te rends compte quand même que vous passez votre temps dans la vie au Cameroun à demander aux gens de s'adapter aux cons. Mais c'est ça le Camerounais, en fait. Longué vient se mettre à genoux, on doit le respecter. C'est ce que vous demandez aux Camerounais. Moi, je respecte Balsero, c'est mon droit. Je choisis qui respecter, bon sang. Je préfère respecter Balsero. Je préfère respecter Paul-Éric Kingé. Je préfère respecter Maurice Kamto. Mais je chie sur Gabriel Libi. Je chie sur Longué. Longué mérite qu'on l'attrape à les couilles comme ça, on le pende. Je peux pas être plus clair. Il mérite la pendaison, Longué. Pour ce qu'il a fait. Juste pour un passeport, mon ami. Il vend la dignité d'un combat pour un passeport. You gotta be kidding. Are you crazy? Vous croyez qu'on m'a jamais proposé les dos? Vous croyez qu'on nous propose pas aussi l'argent? Donc si j'avais aussi pris l'argent, j'aurais aussi dit ça. Ah, j'imagine Sylvie aurait dit, non, je respecte le combat que Serge a mené jusqu'ici. Je comprends qu'il est cédé. Mais, et où? Boris Thierry, comme je ne respecte pas les cons. Ne me dis pas de te respecter. Si les autres sont des cons, je ne les respecte pas. Ceux qui sont sur ce direct et qui ne sont pas cons ont tout mon respect. Ils se reconnaissent. Il n'y a que les cons qui se reconnaissent dans le mépris que j'adresse. Le but, c'est qu'on est dans une causerie où j'explique ce que j'ai à dire. Donc, Karim Beoula, tu as encore une question débile comme ça, tu dégages. Je venais d'écouter la musique, j'ai fait une intermède pour dire, à ma façon, je combats le tribalisme. Je trouve qu'être tribaliste, c'est une stupidité. Parce que le Mongo Tchobi n'est pas de Tchang. Et si j'étais tribaliste, le Mongo Tchobi, je ne l'apprécierais pas parce que ça vient de chez les Bassa. Le poisson braisé n'est pas de Tchang. Si j'étais tribaliste, le poisson braisé, je ne l'apprécierais pas. Vous avez vu les matins au village à Tchang braisé le poisson? Non, ce n'est pas. On ne vend pas de poisson braisé dans nos villages. En tout cas, jusqu'au moment où j'ai quitté mon village, on ne vendait pas le poisson braisé dans nos villages. Parce que les rivières qui sont dans nos villages n'ont pas de poisson pour être pêché. Donc, dans nos villages de Tchang, il n'y a pas la culture du poisson. Ils ne savent pas cuisiner le poisson parce que ça ne fait pas partie du mets local. Par contre, le Douala apprécie très bien tout ce qu'on peut faire du porc. Très bien. Est-ce que vous pouvez faire un petit tour de partage? On va attaquer dans quelques minutes le bilan de Berlin. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas vous le présenter de façon punitive, de façon à attaquer les gens. Je ne serai pas là pour attaquer les gens, bien sûr. On sort quand même des ondes positives. La base qui a fait quelque chose hier de très bien. Donc ici, il n'est pas question d'attaquer les gens et de remettre les vieilles guéguerres. Mais d'analyser ce qui s'est passé et de relever le peuple camerounais à ce qu'ils sont en droit d'attendre de ce qu'on doit faire de leur argent. Peut-être en le faisant pour notre litchi à nous, on va peut-être vous réveiller sur la gestion des fonds de votre pays, en fait. C'est l'idée qui est derrière ce que j'essaye de faire. D'aucuns vont estimer que ce n'est pas le moment de faire les comptes parce que ça risque de diviser. J'ai entendu des conneries comme ça. Mais en gros, pourquoi on se bat contre Paul Biya? Mais ce n'est pas le moment de dire à Paul Biya qu'il a mal géré le Cameroun, ça risque de diviser. Hein? Attendons, il finit ses 7 mandats et on en reparle. Non, on n'est pas obligé de parler de ça maintenant. Non, c'est vrai. Mon cher ami, il s'agit de l'argent public, connard. Quand il s'agit d'argent public, il n'y a jamais de bon moment pour en parler. On parle dès qu'on a les comptes ou dès que c'est anormal, on pointe. Est-ce que c'est clair? Même, les Camerounais sont même tellement idiots que même parfois pour défendre quelqu'un, il enfonce mon frère. Venez m'expliquer, quelqu'un a sorti un audio hier pour dire que non, vous voyez Longué là à genoux comme ça là, vous ne savez pas. C'est qu'il a participé à un transfert d'argent dans le Nozo et il est accusé de terrorisme et blablabla. Il risque gros sa tête, mon cher. Au Cameroun, on ne tue pas les gens comme ça bêtement. On a un tribunal. Il y a une justice. Si Longué est inculpé pour ça, ben la justice, que la justice fasse son travail.
Ce n'est pas en venant demander pardon. S'il a vraiment commis un crime, vous croyez que c'est en demandant pardon qu'il va s'en sortir? Mais Bengola, vous croyez pas qu'il a demandé pardon? On a l'arrestation de Kamto en audio. Kamto n'a pas demandé pardon, il ne s'est pas agenouillé. Au contraire, il a affronté le commissaire qui lui recevait ses ordres du ministre de l'autre côté. Kamto ne s'est pas mis à genoux. Il n'a pas dit pardon, j'étais envoûté. Voilà les gens que vous aimez, les héros. Sandra David, tu as le droit de penser que ce n'est pas une bonne chose. Je le dis, je le pense, c'est ma liberté de penser, point. Donc tu ne vas pas porter atteinte à ma liberté de penser. Le noir est maudit. Vous ne savez vous réjouir que de ce qui est mal. Combien de vous ont tiré les leçons de ce qui s'est passé à Paris? Cathédrale cassée, l'argent qu'ils ont récolté pour construire 5 cathédrales. Ils vont faire une cathédrale plus. L'argent qu'ils ont récolté peut construire 5 cathédrales. Quand il vous arrive malheur en Afrique, quel type de solidarité faites-vous? Vous n'allez jamais dans un événement retenir ce qui est positif. Vous êtes tout le temps en train de chialer. Il y a quelqu'un qui disait ici que j'ai toujours défendu Fleur de Lille. Oui, j'ai toujours défendu le droit de cette fille. Ce n'est pas elle que je défendais, c'est ses droits que je défends. Parce que je ne suis pas dans des personnes. C'est parce que je défends ses droits que le jour qu'elle déconne, je peux la fumer. Le problème, c'est que vous, quand on défend les droits d'une personne, vous croyez qu'on est devenu fan de la personne. Si bien que le jour qu'on fume la personne, vous croyez que c'est une trahison, en fait. Parce que tout pour vous, c'est personnifié. Le Camerounais ne connaît pas les idées, ne connaît pas les principes. Je n'ai jamais défendu Fleur de Lille. J'ai toujours défendu ses droits, elle. Il y a une nuance, hein. Il y a une nuance. Mandev Singapour. Vous n'avez pas les vidéos comme quoi il était sur le lit. Il était dans une chambre. Ce n'est pas parce que vous êtes courageux que vous devez vous laisser arrêter facilement. Il y a une différence entre se battre pour ne pas être arrêté et venir s'agenouiller pour donner raison à l'oppresseur. Maurice Kamto ne s'est pas agenouillé pour demander pardon à Paul Biya. Si vous voulez m'arrêter, si vous voulez me faire du mal, j'ai le droit de me protéger. Si vous voulez m'arrêter illégalement, j'ai le droit de me protéger, de ne pas vous faciliter la tâche. Ça ne veut pas dire que j'ai peur de vous. Ça ne veut pas dire que je renonce à mon combat. Longuet ne s'est pas caché sous le lit quand on voulait l'arrêter. Dites-moi aussi que Maître Ndoki a fui. Mais bien sûr que c'est normal. Maître Ndoki pense que elle peut continuer à mener son combat hors du Cameroun. Donc elle a voulu quitter le Cameroun. Elle a été arrêtée. Ça veut dire que Maître Ndoki a eu peur. Non, Maître Ndoki affronte les juges au tribunal. Vous n'avez pas vu les vidéos de Maître Ndoki qui ont fuité? Vous l'avez vu à genoux? Vous avez vu Maître Ndoki à genoux? Vous ne savez même pas. Vous n'êtes même pas. C'est le discernement qui manque au noir. Voilà pourquoi je dis vous êtes maudit. Vous n'êtes même pas capable de faire du discernement. Toujours dans des commentaires débiles, parce que vous parlez pour répondre. Vous ouvrez vos gueules juste pour bavarder. Vous ouvrez vos gueules pour bavarder. On va écouter Longuet, parce que quand je parle comme ça, d'aucuns sont là, ils ne comprennent pas la gravité de ce qui s'est joué. Je crois qu'ils ne comprennent pas la gravité de ce qui s'est joué. Alors, je vais remettre tout ça. Je vais remettre. Je balance ça sur la télé, je tourne à la télé. On va réécouter Longuet. Vous allez me dire si c'est encore un combat. Mon frère. Tu peux abandonner le combat, mais non, Longuet n'a pas que faire. Il n'a pas qu'à abandonner le combat, mon cher ami. Pourquoi le truc sourd, cela ne marche pas? Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas. Voilà, c'est bon. Continuez, partagez. Archange Michel veut donner 400 euros à qui et pourquoi? Il veut donner 400 euros à qui et pourquoi?
Tu as une bike? Oui. Tu fais quoi? Ben, on répare. Mais pourquoi je n'ai plus le Chromecast? Netflix. Attends, voir. T'es sur YouTube ou Netflix? Attends. Ou peut-être TV en direct? Tu essaies de prendre un verre, pourquoi déjà avant de casser Star? Je voulais boire. Tu voulais boire? Mm-hmm. Et quand on veut boire, on casse un verre, Star? Quoi? Quand on veut boire, on casse des verres, c'est ça? Mais non, mais c'était que le verre, les verres, ils étaient un peu lourds. Moins, on c'est ça. Pas trop, Moins. Mais moi, je vois, c'était. D'accord. Et là, il a pris le verre qui était au milieu. Ah, maintenant, il ne restait plus de timbales. Il ne restait plus de timbales, d'accord. J'ai compris ça. T'énerve pas, c'est pas la peine de s'énerver. J'essaie de trouver la vidéo, le temps que vous partagez. Hein. Vous allez regarder la vidéo et vous allez me dire. Alors, bon, je vais devoir rebrancher, débrancher le Chromecast. On est en train de réparer l'électricité, papa. Tu es en train de réparer quoi? L'électricité. L'électricité? Vous êtes en train de fabriquer de l'électricité? Ouais. Ah ouais, vous êtes trop forts, les amis, vous êtes des génies. Vous êtes des génies. Mais elle est une bricoleuse. Ah bon? Elle est une bricoleuse et moi, c'est un bricoleur. Tu es un bricoleur et elle est une bricoleuse, c'est ça? Ah, d'accord. Okay. Prends la place. Alors, bon, maintenant, on a le Chromecast ou pas, là? Peut-on caster la vidéo sur la télé? Putain, c'est des trucs qui dérangent. J'ai tellement l'habitude d'utiliser. Aujourd'hui, j'ai qu'un téléphone. Non, c'est pas évident. En plus, je serais temps aussi... Comment veux-tu que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne, Star? Bah, il les met dans le trou. Il les met même pas dans le trou, les vis. Il les met là, donc je fais ça. Ici. Quand voilà. Regardons un combattant se chier dessus. Un paquet. Je suis le père d'une camp, je l'ai bientôt, qui représente tout le camp. Donc Longuet est mon jeune frère. Je suis venu vous demander pardon. Pardon au chef d'État. Pardon à Etofis. Pardon à tout le monde et les artistes que votre frère, votre petit frère Longuet a offensé. Au nom de tout le camp, je suis le prince, je vous demande pardon mille fois. Parce que Longuet, vous savez que partout je suis avec lui. Une fois j'ai essayé, mais nous ne savons pas. Vous savez qu'il y a d'autres gens qui maintenant utilisent les enfants des autres pour faire des choses dans la journée que eux-mêmes ne se rendent pas compte. Mais nous, dans le camp, on a décidé, parce que nous on a dit que dans ce Cameroun, il n'y a aucun tribu qui a la puissance que nous. On est parti dans le camp. On a dit que si c'est quelqu'un qui a mis la main pour que notre fils soit comme ça, il est délivré au nom de Jésus. C'est pour ça que je suis le porte-parole pour demander au couple présidentiel, papa Paul Biya, maman Chantal Biya, c'est votre fils. Quand il était dans ses peines, c'est vous qui avez mis l'argent, votre argent. Vous avez sorti votre argent pour l'envoyer, pour l'enlever dans ses peines. Lui-même, il a dit à plusieurs reprises, mais nous ne savons pas. Comme tout le camp a décidé, ils m'ont donné la parole, de demander pardon de toutes ces fautes des gens qui l'ont offensé. C'est pour ça que papa Pobia et maman Chantal Bia, je viens vous demander pardon pour notre fils Longuet. Votre fils que vous aimez bien. Plus jamais, jusqu'à le monde se sépare. Et maman Chantal Bia, vous êtes une maman des enfants. Quand vous portez votre bébé, il chisse votre cuisse.
vous n'allez pas couper votre fils. Vous allez laver votre fils, idoloter votre enfant. Voici votre fils qui est quitté, mais venu me suivre à Makepe avec son grand frère Désir Mambo. Parce que depuis que je suis rentré du village, pour que tout ça finisse, puisque la main de quelqu'un, nous aussi on était cette main de quelqu'un. Je suis venu vous supplier de toutes les anciennes et toutes les autorités du Cameroun et tous les Camerounais que votre fils vous demande pardon. D'abord, Loguet, on vient ici. Viens. Voici Loguet, votre fils qui pleure devant vous. Que ça se fera plus. Mais pour le punir devant vous, Loguet, même pas à genoux ici. En ce moment ici, ça ne se fera plus jamais. Plus jamais. Demande à papa pour dire pardon. Et à maman, tu dis, c'est ta famille, c'est eux qui t'ont tout donné. Je demande pardon, pardon pour mes ancêtres, pardon à papa Kobia, pardon à maman Chantal Bia, pardon à toutes les autorités, pardon à tout le gouvernement, pardon à tous les Camerounais, pardon, pardon, grand frère Jéré Gento, je ne vous ai pas toujours écouté, je vous demande pardon, pardon, donnez-moi. Tout ce que je te promets, que je vais partager avec vous dans deux petites secondes. Sachez qu'il y a une deuxième partie. Que je vais une deuxième partie de la vidéo que je vais partager avec vous. Partager avec vous dans deux petites secondes. Non, j'ai apparu subitement sur mon écran. C'est bizarre, c'est la sorcellerie. Je me vois à la TV. Wonderful. La sorcellerie des Yabassiens, elle peut faire ça. Sean, tu veux te mettre à genoux pour demander à papa une seconde chance ou pas? Non, c'est dit, tu rêves ou il pleure. Tu veux te mettre à genoux pour demander pardon à papa une seconde chance? Non? T'as pas envie? Je l'ai déjà fait demain. T'as pas envie de demander pardon à papa pour une seconde chance? Donc voilà, deuxième partie de la vidéo. Hélène, tu veux te mettre à genoux ou pas? Non. Tu te mets pas à genoux? Non. Je te redonne. Sean, qui devant la télé, tu es devant l'écran. Moi, je suis à genoux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Enfin, je vous demande pardon. Pardon. Une fois par deux. Merci. Le peuple t'a pardonné. Je t'ai promis que je ne suis pas milliardaire, mais j'ai l'autorité de tout le camp. Je suis le prince du camp. Et j'ai l'autorité au Cameroun. Je suis un artiste de l'État. À partir de l'autre, la semaine prochaine, je vais aller à Yaoundé. On va me remettre pour que parce que je vais vous donner des preuves. Pour ajouter un petit truc, quand je regarde cette vidéo, moi-même, je me demande si c'est moi. S'il n'y a pas un ajoutement, parce que j'ai les insignes. Je ne comprends pas comment, quand je suis toujours à deux pas de la réussite, il y a toujours quelque chose qui vient se passer un obstacle. Parce qu'il y a des gens qui gâtent les enfants des autres. Parce que ton succès, il fallait que les gens aillent pratiquer pour qu'ils commencent à vociférer, que les gens qui perdent ta crédibilité. Parce que parfois, même toi, tu ne sais pas ce que tu fais. Mais ça t'arrive comme ça pour la police. Parce qu'il y a des gens qui manipulent des potions magiques. Mais ton village a déjà lavé sa vidéo là, ce n'est pas moi. Voilà. Je te jure, là, la vidéo là, ce n'est pas ton village. Tous les gens qui ont regardé la vidéo là, moi-même, comme ça, ils disent non, ce n'est pas moi. Là. J'étais en France. Tu étais envoûté. Comme si j'ai où c'est fumé, voilà. Où j'ai bu. J'ai dit que la vidéo là, j'ai demandé que la vie là, quand jette la vie là, et le patron, tout le monde. On va même ça. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré parce que tu étais dans le village. Tous les chefs de ton village étaient passés, ils se sont réunis, ils ont tapé la main. Comme nous on dit, Bonjour, ils ont tapé. Et tous tes chefs t'aiment. À partir d'aujourd'hui, cet envoûtement ne t'éteindra plus au nom de Jésus. Amen. Merci. Alors, on va regarder la vidéo où il était envoûté. Hein. Il convient.
Il convient de regarder la vidéo où il était amputé. C'est toujours utile, hein. C'est toujours utile de confirmer l'envoûtement. On va confirmer l'envoûtement de ça. Voilà, donc, je balance cette vidéo-là. Voilà, on va regarder la vidéo de Longuet Longuet en plein envoûtement, comme il est en transe, le jour où il avait fumé la drogue. C'est parti. Voilà un monsieur que tout le Cameroun, si on voulait sortir Moïse Kanto, on ne veut pas les élections. Mais Hélène, tu as l'impression que ce mec est drogué ou pas, mais Hélène, est-ce qu'il est normal ou bien il est drogué? Il est un peu normal. Il est normal, voilà. Donc, tu vois quelqu'un de normal. Oui. Eh bien, devine quoi? Ce monsieur dit qu'ici, il était drogué. Ça te semble bizarre? Bon, c'est pas flagrant, hein? Allez, on continue. En fait, ça veut dire quoi? Il est... Ville par ville, on va voir qui va gagner. Moi, quand tu vas taper pour bien 500%. Moïse Kanto a gagné les élections. Il a gagné les élections. Et vous avez volé ces élections. Je le dis, Hora, vous avez volé les élections. Tout le monde a vu. Je dis, allons ville par ville. On reprend les élections. Pour bien s'asseoir. Moïse Kanto s'assoit comme ça. Et les gens se mettent. Donc, Abraham, il commence à voter. On voit qui on va voter. On voit qui les Camerounais vont voter. Arrêtez vos histoires là. Mettez tout le monde en prison si vous voulez. Hein? Voyez celui-là, celui qu'on venait d'arrêter. Qui en a déjà envoyé tout le monde en prison? Comment il s'appelle là-bas? Donc, à son nom, Jigé. Le dernier qu'on vient d'arrêter, là, avec sa femme, tout le monde là. Qui avait volé 3 000 milliards? Comment il s'appelle? Nevengo, Alain Nevengo. Oui. Lui-même, il avait mis les gens en prison, non? Et aujourd'hui, il n'est pas en prison. Mettez tous les gens en prison, vous-même, vous allez finir où? Vos enfants vont finir où? Vos familles vont finir où? Hein? Moïse Kanto doit gagner les élections. Mais que si vous voulez, on reprend les élections. Pour bien s'asseoir comme ça, Moïse Kanto s'assoit. Et nous, Camerounais, bon, on commence. Voilà, bafou, ça va partout, les gens commencent à voter, on voit tout le monde voter. Pas les histoires que vous venez les dire, vous mettez les 10 000 dans les enveloppes, avec les pains sardines, vous donnez aux militants, vous allez voter. Hein? Vous achetez le fromage, les tuiles, les yaourts, tout ça, vous allez donner aux militants. Les tissus, on dirait les tissus de sortir. Hein? Arrêtez-moi ces histoires. Moi, au col, je m'adresse à toi. Tu es parvenu. Tu es parvenu à moi, au col. Tu es parvenu, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien pour dire que Moïse Kanto s'est caché en bas de lui. Tu étais là pendant le stage. Faut pas jubiler. Quand vous voyez le malheur, les gens vous jubilent parce que tu parles à la télé. Tu n'as rien, tu dors chez tes parents. Tu dors chez tes parents à mort. Quoi. Tu n'as rien. Tu es pauvre type. Tu es malheureux à mort. Quoi. Tu es malheureux, tu n'as rien. C'est moi qui te dis ça. Si tu as les couilles, viens arrêter. Et nous savons qui te ment. Tu as compris? C'est sûr que là, vous dites, parce qu'on m'a demandé de repousser les tirer. Mais, quand il s'agit de trucs aussi bizarres, moi je parle. Tu te mets à la télé, tu racontes, tu dis, oh oui, quelqu'un qui te veut partir pour un sauveur, pour un leader, au premier, ceci, cela, il se cache, ça va devenir d'un enfant. Tu étais là quand on quand tout se passait. Tu étais là.
Voilà la vérité qui sort. Que Moïse ne s'est jamais caché. Il ne s'est jamais caché. La preuve, on a voulu le dire. Et la dictature, si on te dit à tous les gens qu'on a dans la rue, il ne sort pas. C'est ça, Dieu. On t'a déjà élu où? Moïse, quand tu as même élu la vie, voilà. Deuxième dans tout le Cameroun, ce n'est pas le rien. Tu peux mettre un dixième. Tu peux être un exemple à mort au corps. Tu peux? Est-ce que tu peux? Tu peux même créer un parti politique. Tu peux créer une association. Hein? Tu peux créer une association. Espèce de parvenu. Ce mec était envoûté à ce moment-là. Donc, priez de ne pas en tenir compte. Il était envoûté. Il était envoûté, les gars. Il était envoûté. Donc, en fait, lui-même, il fait l'apologie dans ce direct de Maurice Kamto, à qui on a proposé la libération. Il a dit « Jamais sans mes autres détenus, mes co-détenus. » Voilà donc lui-même qui fait l'apologie d'un vrai homme. Comment expliquer donc aujourd'hui que lui-même qui faisait l'apologie d'un vrai homme ait besoin de nous pour soutenir sa forfaiture? On ne peut pas soutenir longue. C'est se tirer une balle dans le pied que de le faire. Il a bien taillé le régime ici. Il a bien taillé le régime ici. Mais il est parti après expliquer que non, il a été marabouté. Il a été sans doute marabouté en écrivant les chansons qu'il a écrites. Voilà. Moi, franchement, les Camerounais, vous me dépassez. Vous me dépassez. Elle est. Allez, rangez votre chambre dès que vous avez fini vos parcs. Allez, c'est rangé. Mais tu nous avais dit que dès que Sean il aurait fini de dormir, on irait au parc. Bah, il a dormi 10 minutes, Sean. Il est malhonnête, Sean. Même pas. Il a dormi une heure. Mais papa, t'avais dit qu'on ferait un tout petit dodo. Alors, Archange Michel, vous êtes en train de faire exactement la même chose que vous faisiez quand on accusait le chelou de viol. Papa, tu ne comprends pas. Attends. Après, on a fini par aller au parc. D'accord. Il s'est dit à maman nous rejoindre au parc. D'accord. Qui a la preuve ici qu'on a menacé de tuer les enfants de Longue? N'inventez pas des situations pour légitimer. Parlez de faits. Si on menace de tuer mes enfants, oui, je suis capable de faire un certain nombre de choses. Avez-vous la preuve qu'on a menacé de tuer son enfant? Pourquoi on n'a pas menacé donc de tuer l'enfant de Maurice Kamto pour qu'il abandonne l'élection présidentielle? C'était quand même plus intéressant. Pourquoi n'a-t-on pas menacé de tuer les enfants de Pendé Coca? Pourquoi n'a-t-on pas menacé de tuer le père de Valsero pour que ce dernier abandonne le combat? Arrêtez votre connerie. On a menacé de tuer son enfant nulle part. Toujours des poltrons à justifier des bêtises. Tu as la preuve qu'on a menacé de tuer ses enfants? Hein? Gadi a menacé les enfants de qui on a vu. Voilà 170 personnes qui sont en prison, qui ont refusé de signer les aveux. On a menacé de tuer leur femme. Vous êtes des givrés de la cervelle. C'est comme ça que quand on dit qu'El Chinois a violé, vous commencez à dire que oui, s'il y a des échanges de textos entre deux personnes, il ne peut pas avoir viol. On vous a dit qu'il y avait des échanges de textos sexuels entre les deux. Vous inventez des trucs pour trouver des excuses à un violeur. Là, vous inventez des trucs pour trouver des excuses à un poltron. On a menacé de tuer ses enfants. Pourquoi on ne menace pas de tuer la mère de Max alors? Comparaison n'est pas raison, mais comparaison n'est pas non plus des raisons. Donc j'annule ton argument. Donc la suite, next. Dis autre chose. Dis comparaison n'est pas raison. Quand tu dis ça, tu dois démontrer que la comparaison ne tient pas. Il ne suffit pas de le dire. Si tu te limites juste à le dire, tu n'as rien dit. Tu as juste bavardé, blablabla. C'est comme dire que quelqu'un n'a pas la science infuse. Il ne suffit pas de le dire pour avoir raison. Il ne suffit pas de dire pour avoir raison. Il faut démontrer que la personne ne sait pas de quoi elle parle pour après conclure qu'elle n'a pas la science infuse. Cette phrase est une conclusion d'une démonstration. Ce n'est pas le postulat, c'est la conclusion d'une démonstration. Mais quand vous vous affranchissez toujours de la charge de la preuve, quand vous vous affranchissez toujours de la charge de la preuve, vous êtes toujours dans la connerie. À quel moment ici Jenny Gento dit « Je vais protéger tes enfants ». On ne va rien faire à tes enfants. Il a dit ça ici. Non. Il a dit, je vais aller prendre ton passeport, je vais te rendre. Donc, Longue pleure pour un passeport. Cette vidéo a tous les éléments qu'on a besoin pour la comprendre.
On a tous les éléments qu'il faut pour comprendre cette vidéo. N'allez pas chercher à croire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est toujours comme ça. Il y a un accident, vous allez chercher la sorcellerie. Tu échoues ton examen, tu vas chercher la sorcellerie. On ne la fait, on me la fait pas. Cette vidéo est complète. Cette vidéo est complète. Ici, Jenny Gento ne dit pas que non, père, il n'arrivera rien à ta femme. Il n'arrivera rien à tes enfants. Jenny Gento ne lui dit pas ça. Jenny Gento ne lui dit pas que on ne va pas te tuer, tu ne risques rien, je vais m'engager à te protéger, je suis le prince Baza, je vais faire bouclier. Il ne lui dit pas ça. Il dit, je vais aller à Yaoundé, je vais prendre ton passeport, je vais venir te rendre. On sait pourquoi il pleure. Il suffit de savoir analyser. Vous venez dire qu'on a menacé ses enfants. Vous inventez une situation pour justifier. Parce que tu es un poltron à la base. À la base, toi, tu es déjà un poltron. Voilà pourquoi tu trouves toutes des excuses. Pour justifier cela. Tu inventes même une situation. Tu as vu où on a menacé l'enfant de Longuet Longuet. Quand vous attaquez les gens, c'est un humain, la chair est faible. Quand vous attaquez les gens sur Internet, vous comprenez que la chair est faible. Vous êtes des idiots, tu as des excuses. Quand on viole ton enfant, bien sûr. Ah non, mais non, je pardonne au violeur de mon enfant. Ce n'est pas grave, c'est un humain, la chair est faible. Mais quand on te traite d'abruti, tu t'énerves. Tu es prêt à tuer la personne. Mais tu ne comprends pas aussi que c'est la chair qui est faible. Vous nous avez sorti un audio pour nous expliquer que non, je suis de source forte introduite. Longuet Longuet a commis un crime grave, il risque gros, il va être arrêté. Ouais. Voilà comment le Cameroun est toujours. Tu vois la télécommande ici, comme ça, elle est blanche, et gris, noire et grise. Mais toi, tu as un salopard qui vient t'expliquer que non, ce que tu vois là, ce n'est pas exactement ça là. Il y a eu un travail à la main de quelqu'un derrière. En fait, la télécommande, là, elle est verte. Mais tu vois juste gris comme ça parce que quelqu'un a travaillé sur ça. Voilà comment on vous a abruti pendant des années. Et dans la vidéo de Longuet Longuet, il y a ce perpétuel abrutissement, quoi. C'est ce qu'on venait dire qu'on a menacé ses enfants. On menace au gros cul de vos mamans. Depuis quand Bia menace ses enfants des gens? Depuis quand Bia menace ses enfants des gens? Dites-moi, sortez-moi un activiste qui a vu son enfant menacé par Bia. N'allez pas inventer des situations pour justifier votre poltronisme. Quand tu es poltron, tu es poltron. Allez respecter les poltrons si vous voulez, ne venez pas nous obliger. Je respecte Valsero. Valsero a la famille au Cameroun. Suzanne Barat a des enfants au Gabon, mais elle a mené son combat. Elle ne peut pas aller voir ses enfants, mais ses enfants ne risquent rien. Vous êtes en train de légitimer que Bia peut être barbare, en fait. Vous demandez qu'on garde. Et admettons même que Bia tuerait les enfants des gens, c'est de la barbarie, parce que ses enfants n'y sont pour rien. Tu n'es pas responsable de l'engagement de ton papa. Mais vous venez nous sortir des excuses bidons. Vous venez nous sortir des excuses bidons. Oui, si Bia est capable de tuer les enfants des gens, il est plus que urgent de sortir pour tuer Bia. Parce que c'est vos enfants qu'on va tuer. C'est même en fait un motif supplémentaire de sortir rapidement. Si Bia arrive à un niveau où, parce que tu penses, on te tue, toi, on tue tes enfants, mais mon frère, il faut sortir. Ça veut dire que tu n'es pas en sécurité. Il faut sortir, le chasser. La conséquence, elle est là. Tu me dis ça comme ça, là, et tu t'en vas dormir. Que oh, tu ne sais pas ce qui se passe dans ce pays. On a peut-être menacé. Mais arrêtez vos bêtises, les gars. Arrêtez-moi ça. Des poltrons. Des couilles molles. Oui, Fabrice. Aussi, Chantal, tu l'es. On a enlevé même ses enfants, on l'a rendu. Il n'a pas changé. Il a continué à faire les interviews. On a arrêté Paul Chuta, on l'a tabassé, on a cassé sa figure. Paul Chuta n'a pas abandonné. André Blaise et Sama s'est fait arrêter tout le temps, confisquer sa moto. Il n'a pas abandonné. C'est pour eux là que je parle. Je ne peux pas soutenir Longuet Longuet. Non. Pour moi, on doit le pendre. Ne venez pas chercher des excuses bidons. Il a fait ça parce que sa vie était en danger. Celui qui me pose le plus problème au Cameroun à Bia, ce n'est pas Longuet Longuet. Si Bia doit menacer la vie d'une personne, celui qui lui pose le plus de problèmes, c'est Kamto. Il n'a pas menacé la femme de Kamto, il n'a pas menacé les enfants de Kamto. Vous voyez une vidéo où il y a tous les éléments dans la vidéo. Vous voulez encore nous faire croire qu'il y a quelque chose qui se cache en dessous, mon frère. Vous êtes sorcier. Quand c'est simple, vous cherchez compliqué. Quand c'est compliqué, vous cherchez simple. C'est ça le noir. Toujours la tête en bas. Le noir, il marche sur la tête, les pieds en l'air. Une vidéo où tous les éléments sont là pour comprendre ce qui se passe.
où vous devenez des analystes comportementaux. Et quand on vous donne une vidéo simple à analyser et comprendre, vous n'êtes même pas foutu de tirer la bonne conclusion. Une vraie bande de merde. Des grosses merdes. Vous n'êtes que des merdes. Allez défendre les poltrons si vous voulez. Mais ne venez pas nous obliger à le faire. On a tiré sur Maître Ndoki. Elle est restée digne. Elle a dit sortez, vous battez. Attends, je vais chercher la vidéo là. On tire sur Maître Ndoki. Pendant qu'on est en train de bring Maître Ndoki à l'hosto, Langa demande que battez-vous. Elle reste droit debout. Je vais retrouver la vidéo de Maître Ndoki là. Papa, tu peux fermer mon bouton. Elle peut le faire parce que maman, papa est occupé. Elle est ton frère, elle est, s'il te plaît. Ok. Mais c'est un bouton compliqué à attacher. Regarde le bouton. Attends deux secondes. Attends, Cholvec. Je crois que c'est Maître Corbeau qui avait cette vidéo-là, qui a publié cette vidéo récemment. La vidéo de Maître Ndoki, où elle est sur le fauteuil. On est en train de la conduire à l'hôpital. Elle demande le peu d'énergie qui lui reste, c'est pour demander aux Camerounais de se battre. Je vais retrouver cette vidéo. Je vais vous montrer les gens pour qui j'ai envie de parler ce soir. Mais certainement pas longue, mes amis. Longue. Je ne sais pas où est passée cette vidéo. Ah, ben oui, putain, au moment où je trouve la vidéo, je ne sais pas ce qui se passe, elle disparaît, bon sang. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Permettez que je trouve cette vidéo. Voilà. Pardon, donnez-moi deux secondes. Hein. Le temps pour vous de partager, bien sûr. Partagez pourquoi on attaque le bilan financier, là. Corbeau, Maître Corbeau. Je crois que cette vidéo-là, je crois que cette vidéo est sur la page de Maître Corbeau. Je crois qu'il est le dernier à l'avoir publié. Du marathon du direct. Non, Maître Corbeau n'a pas publié ça par hasard. Ah non, ou bien c'était sur SATV. Merde, c'était sur SATV. Et là, putain, va retrouver ça sur SATV. Là, c'est chaud quand même. Oh putain, on fait chier quoi. Tu as publié ça le 12 sur quoi, Nelson? Tu as publié ça le 12 août? Maître Ndoki. On va retrouver quand même, ne vous inquiétez pas. Migo Fanam. Voilà, je l'ai. Je l'ai la vidéo. Transfert ça à voir. Pourquoi ça ne va pas là? Pourquoi j'ai pas ça? Le touchpad s'y est trop sensible. Donc, du coup, là, hop, je vois un téléphone à côté. Voilà. Bon, maintenant, pourquoi je ne peux pas le transférer sur la télé? Qu'est-ce qui se passe?
J'ai un souci technique, les gars. Le casting, le cast avec la télé, là, c'est pas pratique. Hein. Avec l'ordinateur, là, ça déconne, ça déconne, ça déconne. Bon. Bon, c'est pas grave. On va le faire à l'ordinateur. Parce que nous ne sommes pas encore assez nombreux. Alors, si vous voulez que ça cesse, si vous voulez que ça n'arrive pas à d'autres que moi, il faut que vous soyez beaucoup, beaucoup plus nombreux. Quand moi, on m'a tiré dessus, les gens fuyaient. Et je comprends qu'ils fuient. Si on avait été des milliers, ils n'auraient pas eu besoin de fuir. Ils n'auraient pas été étreints par la peur. Vous devez comprendre ce que nous sommes en train de faire. You guys need to understand what we are trying to do. We are trying to save our lives. Vous pouvez voir ce qui arrive à toute une Michelle Ndoki qui soit disant. Imaginez ceux qui n'ont pas de nom. Donc, rejoignez le combat, rejoignez le combat. Quand tu parles comme ça, là, on vient de tirer sur elle. Au moment où elle s'exprime, comme vous voyez là, on vient de tirer sur elle. C'est-à-dire qu'elle a une balle dans son corps. Elle a une balle dans son corps au moment où elle dit ça. Vous voulez quoi? Qu'on aille respecter quoi, là? Vos mamans? Qu'on aille respecter un connard qui s'assoit pour chialer pour un passeport? Vous avez bu l'huile ou quoi? Vous avez bu l'huile? C'est l'huile que vous buvez tous les matins à la place de l'eau? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà une gars. On a tiré sur elle. Au moment où on entre la bring à l'hôpital, elle a encore la balle de fusil dans elle. 3 balles. Elle vous dit, sortez, battez-vous. L'autre vient vous dire qu'il a été envoûté, qu'il ne comprend pas ce qu'il a dit ça, qu'il va brûler tous les habits qu'il portait quand il a écrit ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et vous voulez que moi, Serge Anango, je respecte ça? Le gros cul de vos mamans. Je dis bien, lisez bien sur mes lèvres, hein, le gros cul de vos mamans. Je suis du côté des héros, je ne suis pas du côté des zéros. Si j'aimais les zéros, j'aurais été zéro moi-même. Si je voulais être un zéro, c'est très compliqué, c'est très simple d'être un zéro. Hein. Il suffit de rien faire. C'est très facile d'être un zéro, tu ne fais rien. Être un héros, ce n'est pas pareil. En classe, c'est très facile d'être dernier, il suffit de rien faire. Être premier, on bosse. On peut pas mettre le dernier et le premier sur le même point. Je suis du côté des héros. Je préfère dire du côté des héros, je ne prononce pas le Z parce que ça risque de créer confusion. Normalement, on dit des zéros. Mais je préfère dire des héros pour que vous compreniez de qui je parle. Je préfère du côté des héros et non du côté des zéros. Ça se prononce pareil. Mais vous risquez d'avoir la confusion comme votre cerveau est mal branché. Je ne suis pas du côté des zéros. Je suis du côté des zéros. H-E-R-O-S. Valsero est un héros. Longuet, Longuet, c'est un zéro. Maurice Camteau, c'est un héros. Cabral Ibi, c'est un zéro. Célestin Jamel, c'est un héros. Abel Libi, Lobé, zéro. Paul-Éric King, c'est un héros. John Fundy, zéro. Très bien. Bon, on attaque le bilan. C'est bien, parce que bientôt, le direct, il s'arrête. Karine doit être en direct dans quelques minutes. Voilà, donc je vais libérer l'antenne. J'expurge ce problème. Donc là, j'ai là, devant moi, rapport de la commission des comptes de la conférence de Berlin.
rendition des comptes de la conférence de Berlin. D'accord? Rapport de la commission des comptes. Séance du 24 février, 16h30, 18h30. Pourquoi il pleure, Schoenweig? Il a pris le ballon dans la tête. Oh, mon petit Schoenweig. Il m'a allongé le ballon dans la tête. J'ai pas fait exprès. Ça a rebondi sur l'arceau. Ça fait. Oh, mon pauvre petit Schoenweig. Je sais rien. Attends, papa, il va fouetter le ballon, d'accord? Tu crois que tu es d'accord avec moi pour fouetter le ballon? C'est pas de la faute du ballon. C'est de la faute de qui? Mais moi, j'essaie de faire un panier. Et le ballon, il a rebondi sur l'arceau et il a été sur la tête de Sean. Bon, tu fais quand même un bijou. Là. Je suis là. Fais un bijou, papa, tu t'en vas. Tu veux que je fouette le ballon? Ah, bah, j'ai promis que j'allais fouetter le ballon. Sean, allez chercher le ballon pour que je fouette. T'arrêtes de casser les couilles à mon fils. Hein. D'accord, Sean? D'accord, ballon? Voilà, c'est bon, il a compris, Sean. Allez, retournez jouer au ballon. Allez. Très bien. Let's start. Séance du 24 février 2019, 16h30, 18h30. Mise au point du 1er mars 2019. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Karine en ligne dans à peu près 35 minutes, 25 minutes, donc j'aurai fini. Comme je vous ai dit, le bilan, je ne vais pas m'épiloguer là-dessus. Je ne vais pas chercher à créer des embrouilles, exceptionnellement pour cette fois. Dans les participants à cette mise au point sont... Fédération d'Italie est représentée par Freddy. Fédération d'Allemagne est représentée par Flore, une des lieutenants très, très avisés du général Elchinou. Fédération du UK est représentée par Mireille, dont l'absence a été justifiée et excusée. Voilà. Fédération de France représentée par Alice. Alice, c'est... La méthodologie adoptée pour la vérification des fonds a été celle-ci. Grand A, point sur les entrées des fonds. A1, vérification des sources d'entrée des fonds en amont, c'est-à-dire des donateurs vers le point de collecte principal. Vérification des sources d'entrée en aval, c'est-à-dire du point de collecte principal vers le trésorier. C'est très important. Point sur les sorties des fonds. Donc, on a le grand A, les entrées, grand B, les sorties. B1, exclusion des dépenses n'entrant pas dans le bilan de la conférence de Berlin. B2, dépenses restantes avec le retour d'expérience en vue d'optimiser les coûts pour la suite. Et enfin, conclusion. Point sur les entrées des fonds. La vérification des sources d'entrée des fonds en amont. Les donateurs, le point principal. Alors, on a noté à peu près 5 manquements à ce niveau. Manquement numéro 1 au niveau de la Fédération de la Grande-Bretagne. Nous n'avons pas l'état des lieux du compte PayPal. Preuve de toutes les entrées via cette société. C'est-à-dire que on a demandé à la Fédération de Grande-Bretagne de nous apporter les preuves des entrées, les preuves totales de ce qui est entré par PayPal. On n'a pas la visu là-dessus. Il n'y a que le trésorier qui avait la visu. On lui a demandé une réponse structurée, à minima, une synthèse claire des données. On ne l'a pas reçue. On ne l'a pas reçue. Manquement numéro 2, Fédération du Royaume-Uni toujours. Nous n'avons pas la preuve d'entrée d'argent, transfert en amont entre la société PayPal et les personnes chargées de récolter les fonds. C'est-à-dire que la personne qui récolte les fonds, on n'a pas la preuve exacte de ce que PayPal lui a envoyé. C'est-à-dire, non seulement on ne sait pas ce que PayPal a collecté. Hein? On ne sait pas ce que PayPal a transmis à la personne qui collecte les fonds. On a demandé une réponse structurée et motivée là-dessus. On ne l'a toujours pas. La même chose s'applique pour le litchi. On ne connaît pas combien ont été versés au litchi. On ne connaît pas combien litchi a versé à la personne chargée de collecter des fonds. On ne connaît pas. Manquement numéro 5,
Fédération d'Allemagne. Nous n'avons pas l'état des lieux des comptes bancaires, preuve de tous les entrevues. C'est-à-dire que la Fédération bancaire, la Fédération d'Allemagne, représentée par le généralesque, violeur, El Chelou, n'a pas été en mesure de sortir un état de lieu, un reçu bancaire pour dire voilà ce qui a été reçu par mon compte bancaire et voilà ce qu'on vous donne. C'est des choses qui sont très simples à obtenir. Vous savez tous ces éléments-là. Les manquements numéro 5, c'est des choses très faciles à lever. Très, très faciles à lever. Voilà. Donc, on n'a pas cela. En revanche, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la vérification des sources d'entrée en aval. C'est-à-dire qu'après la collecte, c'est-à-dire qu'une fois que la personne qui a collecté décide de dire je verse tant, on sait par exemple que le 7 janvier, le trésorier a reçu 912 euros. Le 12 janvier, il a reçu 1287 euros. Le 14 février, il a reçu 825 euros. Et le 17 février, il a reçu 168 euros. Ça, c'est ce qu'on a décidé d'envoyer au trésorier. Mais rien ne prouve au trésorier que c'est exactement, ça correspond à l'argent qui a été exactement collecté, puisque je viens de vous rappeler qu'en amont, on n'a pas de visu. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas ce qui s'est passé en amont. Donc ça, c'est le manquement numéro 6. Manquement numéro 6 donc, de la Fédération allemande, c'est que nous n'avons pas la preuve d'entrée d'argent en transfert entre le compte bancaire et le trésorier. C'est-à-dire que on ne connaît que les montants qui ont été indiqués. Donc, les montants indiqués ont fait état d'un montant, l'entrée indiquée a fait état d'un montant de 230 euros. Mais on n'a pas la preuve du virement. Manquement numéro 7, Fédération d'Allemagne, nous n'avons pas la preuve d'entrée d'argent en transfert entre le point de collecte principal et le trésorier. L'entrée indiquée fait état d'un montant de 465 euros. C'est-à-dire que le trésorier dit « j'ai reçu 465 euros », mais on n'a pas la preuve du virement. On n'a pas la preuve du virement. C'est des choses qui sont très faciles à établir. On est en Bénin. Hein. Tout est tracé en Occident. C'est des choses très faciles. C'est-à-dire que même quand je fais des envois Western Union, c'est enregistré dans mon téléphone. Je peux sortir le transfert, la preuve du transfert à tout moment, même dans 10 ans, je peux sortir la preuve du transfert. Enfin bref. Manquement numéro 8. Nous n'avons pas la preuve d'entrée d'argent, bon d'encaissement, entre le point de collecte des liquidités et le trésorier. C'est-à-dire que celui qui a reçu l'argent par liquide, on n'a pas le bon d'encaissement. L'entrée indiquée fait état de 640 euros. Donc, on est toujours là dans ce qu'on peut croire sur parole. Vérification d'autres sources potentielles d'entrée des fonds. Il y a par exemple la vente des t-shirts qui a été évoquée, mais ça a été rapidement clos parce que ça n'entre pas dans le cadre de la conférence de Berlin. La vente des t-shirts, ça n'entre pas dans le cadre de la conférence de Berlin. Maintenant, B, point sur les sorties des fonds. L'exclusion des dépenses n'entrant pas dans le bilan de la conférence de Berlin. La ligne de dépenses de logement d'un montant de 1145 euros, bien que prouvée, est à exclure pour les raisons suivantes. Chaque participation avait l'obligation de régler son logement. C'est-à-dire que le litchi n'était pas là pour que ça paye notre hôtel. Chaque participant avait l'obligation de régler son logement. Les exceptions doivent être gérées par chaque fédération. C'est-à-dire que s'il y a des gens dont on dit qu'on prend son logement en charge, c'est la fédération qui finance cela. Ce n'est pas l'argent qui a été collecté dans le cadre de la Convention de Berlin. Donc, ça a été exclu. Donc, injonction de paiement de la dette des logements auprès du trésorier doit être envoyé par le CSR à l'attention des personnes concernées. Manquement numéro 10. Les lignes de dépenses en voyage d'un montant de 514 euros et d'un montant de 89 euros, bien que prouvées, sont exclues pour les raisons suivantes. Chaque participant avait l'obligation de régler son voyage. Les exceptions doivent être gérées par les fédérations, donc pour les mêmes raisons. Hein. C'est-à-dire que celui qui venait à Berlin venait par ses propres moyens et se logeait par ses propres moyens et se nourrissait par ses propres moyens. Ce n'est pas l'argent des litchis qui doit le faire. Manquement numéro 11. La ligne des dépenses de carburant de 400 euros. Le décaissement est prouvé, mais la dépense ne l'est pas. Donc, elle est exclue pour les raisons suivantes. Caractère excessif et disproportionné n'entre pas dans la symbolique de l'esprit de la conférence de Berlin. C'est-à-dire qu'on prend 400 euros pour dire qu'on a mis à disposition des voitures qui venaient chercher des gens à l'aéroport. La distance entre le lieu de collecte, le lieu de chute et l'aéroport, c'était 10 km. Donc, 400 euros de carburant, c'est la consommation qu'une voiture ferait au bout de 5000 km pour une berline comme la mienne. 5000 km. Donc, on n'a pas fait 5000 km pendant la conférence de Berlin. Donc, la dépense de 400 euros n'est pas justifiée. Elle est disproportionnée.
Outre le fait qu'un montant, que le montant cumulé des justificatifs mis à disposition donne une somme de 217 euros, en fait, ils ont décaissé 400 euros, mais ils ne sont capables que de justifier 214 euros. Ces justificatifs sont d'autre part sujets à caution au regard de la date et l'objet ou de la visibilité. Ticket du carburant datant du 8 janvier à 19h25 pour 69 euros. C'est-à-dire que la conférence a lieu le 13 janvier, mais on a un ticket de carburant le 8 janvier. On se demande bien pourquoi. On a eu une amende d'ailleurs aussi. Hein. Donc je rappelle que l'argent du contribuable ne sert pas à régler les incivilités des gens. On a des amendes aussi qui sont réglées dans tout ça, 24 euros. Donc, sujet à caution, on a des tickets de carburant qui datent du 13 janvier, le soir, 70 euros. Et ensuite, on a un ticket illisible de 50 euros. Retour d'expérience, 1. Donc, c'est-à-dire ce qu'on recommande à l'avenir. Ce cas de dépense doit servir de retour d'expérience pour la suite. Si un bénévole souhaite mettre à disposition son véhicule au service du collectif, moyennant des frais de carburant, il faudrait partir sur une base de remboursement de l'ordre de 8 à 10 centimes euros le kilomètre, soit 80 euros pour les 1000 kilomètres. Pour une grosse berline. Ce bénévolat renverra au trésorier au départ et au retour une photo du kilométrage. À défaut, une évaluation internet, avance partielle ou défraiement final à voir. Péage, stationnement, amende à régler sur une présentation de justificatif, à savoir que les personnes covoiturées ont l'obligation de participer à l'ensemble des frais par esprit de solidarité tout en informant le trésorier. Dépenses restantes avec retour d'expérience en vue d'optimiser les coûts pour la suite. Nous disposons d'une preuve de justificatif de la ligne dépenses en location de la salle pour 2 jours d'un montant de 1 500 euros datant du 3 janvier. C'est-à-dire que la salle a été louée à 1 500 euros le 3 janvier pour un montant de 1 500 euros. Bien qu'il s'agisse d'une première expérience et que le comité d'organisation souhaitait un événement prestigieux avec accès H24 à la salle, il n'en demeure pas moins que pour la suite, il nous incombe de prouver que nous avons pris soin de sélectionner plusieurs devis et de prendre la moins chère de toutes en vue d'optimiser les dépenses de l'argent du peuple. À défaut de soumettre en amont pour avis des autres fédérations, on risque de supporter seul l'ensemble de ces dépenses ou le delta comparé à une option moins coûteuse. C'est-à-dire que quand vous récoltez l'argent des gens, vous devez prouver que vous avez dépensé avec raison. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre une salle à 2000 euros alors qu'une salle à 500 euros pouvait suffire pour le même événement, tout simplement parce qu'il y a l'argent 2000 euros dans la caisse. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est comme ça. C'est l'esprit de ce qu'on appelle la gestion de l'argent du peuple. Montrer à chaque fois au peuple que son argent a été géré avec rigueur. On ne va pas aller prendre des hôtels 4 étoiles là où des hôtels Formule 1 suffisent parce qu'on a reçu l'argent du litchi. On n'est pas un exemple pour le gouvernement camerounais. Donc, non. Donc, nous disposons d'un justificatif de la ligne de dépenses sonorisation de 150 euros. Papa, tu peux ouvrir. Nous disposons aussi... Ça va, chérie. Attends, je vais l'ouvrir. Tu vas mettre ça à la poubelle. Merci, mon chérie. Donc... nous avons aussi une ligne de dépenses de 150 euros pour les badges justifiés. Action Fédération d'Allemagne. Nous disposons d'un justificatif de la ligne de dépenses de nettoyage de la salle. Nous avons des dépenses de la salle qui sont estimées à 200 euros et qui datent du 13 janvier à 23h40. Une quittance qui a été présentée le 13 janvier à 23h40. Alors, la Fédération, on estime quand même que 200 euros, ça correspond à 8 heures de travail pour une femme de ménage. C'est énorme. Cette salle n'a pas besoin de 8 heures pour être nettoyée. Une femme seule en 2 heures, vous nettoie ça nickel chrome. D'autant plus d'ailleurs que les combattants, une bonne partie, s'étaient mis à la tâche de nettoyer la salle. Donc la salle était propre quand on est parti. Bon bref, donc on a 200 euros de dépenses qu'on n'arrive pas à justifier. L'avis de la Fédération française précise, blablabla, donc c'est ce que je viens de vous dire. Donc c'est un manquement. C'est un manquement. Sans justificatif réel et sérieux, cette dépense doit être rejetée. Donc, on rejette les dépenses du nettoyage de la salle. Action Fédération d'Allemagne. Nous disposons d'une ligne de dépenses de sécurité salle d'un montant de 200 euros. Seule une quittance de décaissement est présentée le 13 janvier à 16h30. Voilà. Nous ne disposons pas d'un justificatif, ça c'est notre manquement, de la ligne de dépenses de main-d'œuvre cuisine d'un montant de 600 euros. C'est-à-dire qu'ils nous ont demandé 600 euros
alors qu'en fait, on n'a pas de justificatif de ces 600 euros. Donc, montant rejeté. Retour d'expérience. Donc, en fait, en France, 600 euros brut représentent 4 jours de travail d'un ingénieur. Sans justificatif réel et sérieux, cette dépense peut être rejetée d'autant qu'elle est possible, d'autant qu'il était possible de faire appel aux bénévoles dans ce cas. Nous disposons d'un justificatif de la liste de dépenses de boissons de 410 euros datant du 11 janvier 16h à 16h15. Retour sur expérience. Suggestion par la suite, il faudrait mettre à disposition de l'eau à volonté, puis une quantité de boissons minimale par personne, à disposition des coupons boissons payants pour des suppléments, comme dans les kermesses, le but étant de limiter les frais engagés. Nous disposons de plusieurs justificatifs des lignes de dépenses de nutrition d'un montant de 1 300 euros comme suit. 33 euros le 12 janvier, 19 euros le 13, 33 le 12, 11 euros le 13, 300 euros le 10, 675 euros le 9, 21 euros le 9, 23 euros le 9, 137 euros, bref. Voilà, on a les tickets easy. Donc, il convient en fait ici que quand on se réunit comme ça pour ce type d'événement, on ne se réunit pas pour manger. Il convient donc de choisir l'option la moins chère pour nourrir ceux qui sont venus. Donc, c'est en gros ce qu'on peut tirer. Conclusion, le rapport final de la commission des comptes de la conférence de Berlin du 12 août et 13 janvier 2019 fait état de 15 points de manquement relevés et 6 retours d'expérience exploités. Les points de manquement ont été consignés dans ce rapport et portés à l'attention des personnes membres de cette commission. Dès le 25 février. Oh, merci, Mireille. Donc, les points de manquement ont été consignés dans ce rapport et portés à l'attention des personnes de cette commission dès le lundi 25 février 2019. Ce rapport a été présenté également au trésorier de la conférence ainsi qu'au point d'entrée principal des collectes des fonds. Malheureusement, à la date du 1er mars, où le rapport doit être rendu, aucun élément de justificatif factuel des manquements n'a été porté à la connaissance de cette commission malgré les relances. Par ailleurs, nous avons recueilli des témoignages des combattants permettant d'éclairer le CSR. Le combattant Marc Seigneur Ivoire a payé 150 euros d'amende car le billet aller acheté par le comité d'organisation de Berlin n'était pas conforme. On lui avait donné un billet d'enfant alors qu'il est adulte. Donc il a dû payer 150 euros d'amende et il a payé son billet de retour lui-même. De même, il affirme avoir réglé entièrement sa note d'hôtel. Papa, il y a un bouleur qui est resté là-bas. Elle est pour ramasser, mettre dans la poubelle. Le combattant, fils du planteur, affirme avoir dormi une nuitée à l'hôtel du 11 au 12 janvier. En partage avec le combattant Calibri, il a participé à hauteur de 50 euros, malgré que l'hébergement lui était annoncé offert au préalable. Le combattant Calibri Calibro affirme avoir participé à hauteur de 30 euros pour sa chambre d'hôtel qui était annoncée offerte au préalable. C'est-à-dire qu'on lui avait dit que la chambre était offerte, mais il a dû payer 30 euros. Le combattant Géraud a perçu 50 euros pour ses frais de tabac. J'arrive. Et le combattant Ezekiel affirme avoir loué sa voiture gracieusement et ne demande aucun remboursement à ce titre. Voilà les conclusions. Et donc là, j'ai devant moi des justificatifs. J'ai des justificatifs. Voilà. Bon, comme je vous ai dit, ce n'est pas un rapport polémique. Je ne vais pas polémiquer là-dessus. Il convient donc que la prochaine fois qu'on va organiser. Papa, il y a une glace au chocolat. C'est à moi, merci. Mais c'est au chocolat. Ah oui, mais c'est pas grave. Oui, bah, je ne vais pas te la donner. C'est pas grave, je vais la manger quand même. Merci, mon garçon. Fais un bisou à ton papa. Fais un bisou à ton papa. Encore. Il y a une surprise à l'intérieur. Il y a une surprise à l'intérieur? Ça. Ah ouais. Elle aime vos chaussures. Dans 10 minutes, elle est partie au parc. Dans 10 minutes, elle est partie au parc. Ouais. Oui, mais tu dois nous surveiller, pas traverser la rivière. Ouais, attends, Gérard, Sapon, viens prendre la parole, tu expliques. Parce que là, il traverse toujours la rivière. Tu expliques tes impressions, tu as l'impression que c'est l'argent qui m'intéresse. Et là, il traverse toujours la rivière quand il est au parc. Ah ouais? Oui. Il y a un salopard qui dit que c'est l'argent qui m'intéresse. Et papa, une autre fois, c'était allé au parc avec papa, avec maman, mais il y avait Paulin. Ah ouais? Oui, et c'était mon ami. D'accord. J'irai, ça pour prendre la parole, tu expliques tes impressions. En quoi est-ce que dans tout ce que j'ai dit, l'argent m'intéresse?
Voilà. Oui, donc, avec du bloqué. Est-ce qu'elle était rose comme ça? Non, mais ça avait déchiré et après il est devenu rose comme ça. Voilà, donc je vous ai donné à peu près le rapport. Aïe, 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 ça fait mal ça. Chacun fera ce qu'il veut. Papa, tu m'avais demandé de faire une sieste pour jouer en ferme. Mm-hmm, va mettre tes chaussures. On s'en va parler dans quelques minutes. C'est bon, on est prêt. Tu es prêt tout seul? On va m'attendre. C'est lui, Lionel. Tu es sur mon direct. Tu dis que quoi? Tu dis que même la peste, on ne fuit plus comme moi. C'est quoi ton problème? Prends la parole. Papa, regarde mes nouvelles chaussures. Ouh, elles sont belles. Quelqu'un vient sur mon direct, dit qu'on me fuit. Si on me fuit, tu n'es pas sur mon direct. Allez, tu dégages. Les mêmes abrutis, Dion. Tu as les mêmes conneries. Je vous ai demandé de l'argent. Une conférence à Berlin, je viens vous rendre compte, il y a un salopard, tout ce qu'il a compris, c'est que c'est l'argent qui m'intéresse. Vous êtes une sorcière, là. Je vous ai déjà dit que... Je vous ai déjà dit que quand vous êtes nul en compréhension du texte, ne venez pas sur les directs commentés. Si la compréhension du texte était nulle dessus, ne viens pas. D'accord? Papa? Ouais. Du pain, il y a une boulangerie pour manger. Mmh, je sais, une boulangerie, oui. Mais tu as du pain à la maison, tu as assez de choses à la maison, seul. Oui, déjà, maman, j'ai acheté deux baguettes. Bah, qu'est-ce qui va lui arriver à celle-là? Qu'est-ce qui va lui arriver à elle? Oula, oula. Aïe, aïe, aïe. Ça, ça fait mal, ça. Et après, tout le temps, quelqu'un a quelque chose à dire par rapport au rapport que je viens de balancer? Je prends une personne et puis je m'en vais. La personne qui demande qu'on parle longuet, ça a été discuté. J'ai pas abordé plus longuement la problématique Flore de Lille. On aura l'occasion de revenir sur son arrestation et la réaction de ceux qui la soutiennent sur Internet. On va y revenir. On va y revenir. J'observe d'ailleurs que les abeilles sont très calmes. C'est le deuil, quoi. Regarde ce qui va arriver chez nous. Hop, hop. Il est con quand même, mec. Ouais. Ils sont cons. Ils sont cons. Ils sont cons. Aïe, ça, ça fait mal, ça. Ah, ça, c'est... Il est oublié. Ah, le total, pardon. On n'a pas la trace vraiment du total, hein. Les justificatifs, si ça vous intéresse, je peux les publier sur ma page. Il n'y a pas de problème. En fait, les justificatifs, je ne vais pas tout vous les lire, je n'ai pas le temps. Mais je vous fais voir ça. On a ce qui a été reçu. On n'a pas la certitude de ce qui a été vraiment reçu. On a d'un côté ce qui a été reçu, on a les dépenses. Voilà. Donc je vous mettrai tout ça, vous inquiétez pas. Apprenez à chercher à savoir ce qu'on a fait de votre argent. La crise qui est née dans la base récemment est partie du fait qu'il y avait un problème justement au niveau de ses comptes. Vous voyez qu'il y a plein de justificatifs qui manquent. Bon, comme je vous ai dit, je ne vais pas polémiquer aujourd'hui. La base est sur les opérations qui peuvent relancer le combat. Il convient juste de rappeler à tout le monde que la prochaine fois, il faudra plus de rigueur. Voilà. Et les députés, on va maintenant partir. Papa? Ouais. Et lui, il a
pris du chaud et de l'eau juste au bout là. Mais oui, mais c'est surtout l'eau. Hein. Attends, je veux dire, je sens un tout petit peu le style. Allez, va ranger tes cheveux avant qu'on y aille. Il a mis une sucette dedans. Va ranger tes cheveux, allez. Veux goûter. Elle est. Oui, va ranger tes cheveux. On y va. On y va ou pas? Est-ce que Karine est là? Karine, est-ce que je peux déjà te rendre l'antenne? Alors, Karine sera en direct juste après et moi. Papa, c'est marché avec un pied. Oui, je sais. Je le dis. Karine sera en direct avec vous juste après moi. Bah oui, si être droit et fumer les cons tontinages, c'est servi la cause de Sardina, j'assume. Oui, j'assume. Tu crois que tu vas me faire ce chantage, Slim Bidule, là? Tu crois que parce qu'on est tontinés ensemble, tu vas voler, je vais te couvrir. Le gros cul de ta maman, connard. Je combats tous les voleurs. Parce que c'est les voleurs qui tuent, comme on dit. Papa, on ne sera pas tout seul au père, parce que c'est demander à maman de rejoindre au père. D'accord, Sim. Sim, j'ai dit, prends la parole. Tu ne prends pas. Quoi que être combattant, c'est savoir l'immunité. Vous êtes malade. Je vais servir la cause de Sardina si je commençais à dire du bien d'eux. Je vous taille tous en pièces, pareil. Ils ne se reconnaissent pas en moi. Parce que je tire aussi sur eux à la fois comme sur vous. Ah, tu sais la cause des sardinats. Je sais la cause du gros cul de vos mamans. Slim, j'ai dit, tu ne veux pas prendre la parole? Je te redonne la dernière fois. Tu ne prends pas, je te bloque. Prends la parole si tu expliques en quoi je sais la cause des sardinats. Oui, parce que servir la cause de Tontina, c'est couvrir un violeur, c'est couvrir les détournements de fond. Mais tu es malade dans ton cerveau, mon ami. Je me demande parfois même qui m'avait même dit de me mélanger des animaux pareils. Moi, j'étais bien tout seul dans mon coin. Vous ne m'aurez jamais dit des conneries comme ça. À partir du moment où vous avez eu l'impression que j'étais dans votre groupe, vous avez cru que ça veut dire que je peux vous défendre envers un compte. Vous êtes malade? Vous êtes malade? Vous avez cru que je suis comme vous? Ça va pas dans votre cerveau? Ah, tu vas voler. Je vais te couvrir, Slim, je te dis, parce que tu es combattant. Oh, on ne parle pas des combattants. Ta maman, connard. Va voler, tu vois, je vais être le premier à t'abattre. Ça, vous n'avez pas compris. Si c'est ça, si tu appelles ça servir les sardinats, j'assume. Je suis un sardinat dans ce cas, oui. Et dans ce cas, assume aussi être un sardinat. Parce qu'il n'y a qu'un sardinat qui défend la bêtise parce que c'est un gars de son camp. Tu fais ta différence avec le sardinat à quel niveau? Tu reproches au sardinat de défendre Paul Biya parce que c'est un gars de son village. Et tu viens me demander de défendre un salopard parce qu'il est du même combat que moi. Non, on défend avec des arguments et la raison. On défend suivant des principes. Tu n'es pas différent d'un sardinat, connard. Tu ferais mieux d'être sardinat comme ça, au moins tu pourras rentrer au Cameroun. C'est quand même stupide de prendre tous ces risques-là, de se faire ficher par le gouvernement camerounais, alors qu'au final, on ressemble à ces gens-là, quoi. On bloque Slim Shady. Voilà. Quand on sert les sardinats, quand tu viens sur mon direct me dire qu'il y a que les sardinats qui me regardent alors que tu es tontina, vous êtes bête. Non, mais franchement, en matière de palme de la bêtise, le Camerounais, c'est un champion. Tu te dis tontina, tu es sur mon direct, mais tu présumes qu'à part toi, le tontina qui me regarde, tout le reste sont les sardinats. Tu as vérifié, mon ami. Pourquoi tu es dans des affirmations gratuites comme ça? Affirmations gratuites, parler pour bavarder, jamais pour s'exprimer. Si tu es tontina et que tu es sur mon direct, ça veut dire qu'il n'y a pas que les sardinats qui me regardent. Vous croyez que les directs de Max, c'est les tontinas qui les regardent? Pourquoi? Explique-moi donc comment Max a 2500 personnes qui le regardent et au final, il finit à 1200 likes. Expliquez-moi. Expliquez-moi comment dans le direct de la brigade anti-sardina de tout à l'heure, il y a 1400 personnes. À la fin du direct, il n'y avait que 780 likes. Vous croyez qu'il n'y a que les tontinas qui vous regardent aussi? Non, on a la même proportion de sardinats qui nous regardent. Tu viens sur le direct d'un jour, tu te dis tontina et tu présages qu'il n'y a que les sardinats qui le regardent.
Si c'était aussi vrai, tu ne serais pas sur le direct. Toi qui ne te considères pas Sardina. Sauf si tu te considères Sardina. Vous savez ce qu'on appelle le paradoxe du crétois? Je ne vais pas vous dire. Vous allez chercher. Allez vous rencarder sur le paradoxe du crétois. C'est le paradoxe. C'est un crétois. Bon, je le dis quand même. Le mec, il arrive quelque part, il dit tous les crétois sont des menteurs. Si c'est vrai, ben alors c'est faux. Allez comprendre pourquoi. Si c'est vrai, c'est faux. Il arrive quelque part, il dit tous les crétois sont des menteurs. Si c'est vrai, c'est faux. Je ne vais pas vous dire la subtilité qu'il y a derrière. Vous allez aller chercher le paradoxe du crétois. Finissez le direct, vous allez vous rencarder dessus. Vous allez comprendre. Un peu de culture ne vous ferait pas de mal. Parce que quand vous la distillez, vous croyez que c'est facile. Vous allez le chercher vous-même. Pourquoi, si c'est vrai, c'est faux? Si un crétois arrive dans une salle, il dit tous les crétois sont des menteurs. C'est un paradoxe parce que si c'est vrai, c'est faux. Pourquoi? Allez chercher. Apprenez à réfléchir un peu deux secondes avant de venir dire des conneries. Vous ne vous rendez pas sur à quel point vous êtes bête. Tu viens sur un direct, tu te dis ton tina, tu dis qu'il n'y a que les sardinats qui me regardent. Ben, si c'est vrai, c'est que t'es Sardina. Ça veut dire qu'au moins, tout le monde est dans le même camp, du coup. Connard, ben. Ah, bah, Karine est déjà là. Donc, je laisse la parole à Karine. Karine, voilà, j'attendais que tu sois là. Donc, restez sur la même chaîne, vous qui êtes connectés. C'est l'oracle pour passer quel diplôme mage à qui tu dégages. Les questions aussi bêtes. On n'est pas dans les endroits de Congo, ça, d'accord? Quand on te demande d'aller faire la recherche, tu vas, tu fais la recherche parce que ça peut t'édifier et te permettre d'édifier plus d'un dans ton entourage et contribuer à ton niveau à baisser l'abrutissement des Camerounais. Dans le genre de questions débiles comme ça, là, pas sur mon direct. Et à l'avenir, Karine, tu devrais faire preuve de beaucoup plus de rigueur parce qu'il y a beaucoup d'idiots qui viennent sur tes directs. Et j'ai l'impression que tu ne les vires pas. Je te dis que ma page, je veux que quand tu fais un direct, surtout les directs édifiants comme les tiens, que ce ne soit pas noyé dans les commentaires des gens aigris qui n'ont rien à faire leur journée. S'il te plaît, un peu... Papa, ça va comme ça, il peut... Quoi? Moi, maintenant, je peux partir. Ouais. Allez, je mets tu es un peu con. Et toi, et papa, il met ses chaussures. Ah ben moi, je m'en vais en tongs, hein. Ne m'inquiétez pas. Et là, si tu veux, tu donc, peux mettre un t-shirt. Il faudrait que quand tu fais les directs qui sont très édifiants, tes directs sont même plus édifiants que les miens, d'ailleurs. Il ne faudrait pas que ce soit noyé par des commentaires des gens aigris. Ces gens doivent disparaître. C'est-à-dire que comme ils disparaissent à leurs commentaires. D'ailleurs, je rappelle que sur ma page, quand tu es bloqué, ton commentaire disparaît. Ne crois pas que tu dégages ton commentaire. On tire la chasse d'eau, tu finis dans les chiottes avec tes commentaires. Tous tes commentaires, toute ton activité sur ma page disparaît avec toi. Que ce soit une information. Venez être pertinent, on ne vous demande pas d'être d'accord avec nous. Si vous avez les couilles, si je cherche des gens d'accord avec moi, je ne donnerai pas la parole à tous ceux qui m'insultent. Quand vous m'insultez, je vous donne la parole. Donc, ce n'est pas que je vous fuis. Donc, toute personne ici, en désaccord, pas en désaccord, complètement à l'ouest par rapport à ce qu'on dit, vous me bloquez ces personnes. On ne les veut pas sur ma page. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Et je ne cherche pas les followers, je cherche les acteurs. Donc, quelqu'un qui vient écouter Karine pour dire que j'aime bien te suivre, le genre des gens qui, les commentaires comme ça, je bloque depuis un moment. Hein. Quand quelqu'un écrit « j'aime bien te suivre », je le bloque direct. Il ne comprend pas. Il y en a plein qui viennent m'écrire après qui ne comprennent pas. Le « j'aime bien te suivre », je ne veux plus les suiveurs. Voilà. Philippe Moulinier, je vais te bloquer. Tu sais pourquoi? Vous savez donner des leçons de morale là où c'est impertinent. Tu me dis, on ne parle pas la bouche pleine. J'aurais aimé que tu dises que
On ne vit pas dans une ville sale. On ne vit pas dans un pays sans eau potable. On ne. La liste est de on ne. Il y en a tellement un paquet que pour que tu arrives à surplanter tout ça, et veuillez t'inquiéter de moi qui parle à la glace dans la bouche, c'est que tu es vraiment givré de la cervelle. Donc, tu es bloqué. Voilà. Philippe Moulinier, adieu. Voilà. Il y a tellement de on ne au Cameroun. On ne brûle pas un voleur. On ne vole pas l'argent du contribuable. On n'arrête pas quelqu'un qui défend ses droits. On n'arrête pas quelqu'un parce qu'il a marché. On ne. On n'arrête pas Fleur de Lille pour rien. Il y a tellement de choses à dire au Cameroun. On ne. Que pour que tu en arrives au moment où je mange en parlant. Je mange ma glace en parlant. Il faut déjà écumer tout ça. On va déjà partir. On va déjà partir. Merci Sabrina. Tu es ma moitié, vraiment. Tu es vraiment ma moitié. Ça veut dire que tu es rapide. Tu es plus rapide que ton ombre. On doit partir, chérie. On doit partir. Attends. Ça veut dire partir. Attends, ça va. Ça veut dire... Donc, je laisse l'antenne à Karine. Oui. Bon courage. Merci beaucoup. Et puis, bah, ceux qui voulaient voir la partie longue, donc on commence direct. T'es pas obligé de leur dire au revoir. Tu peux emmener ton téléphone. Non, je vais leur dire au revoir parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre l'antenne juste après moi. C'est qui? Elle s'appelle Karine. Viens pas ici, tu dis bon, tu dis coucou à Karine. Viens derrière moi, tu dis coucou à Karine. Non, pas derrière. Passe pas derrière comme ça. Tu fais coucou à Karine. Tu fais coucou. Bonjour. Tu fais coucou. Coucou. Dis coucou, Karine. Coucou, Karine. Voilà. Allez. Bonne soirée, bon après-midi. Je vous laisse en compagnie de Karine. Amusez-vous bien. Sortez vos cartes bancaires. Parce que comme je vous ai dit, on ne cherche pas des followers, on cherche des acteurs. Sortez vos cartes bancaires. Apprenez à apprécier le talent de vos frères camerounais. Prenez vos cartes bancaires et commandez. Donc, ceux qui sont en Mbeng, là, cette fois-là, c'est la partie Mbeng. Ceux qui sont au Cameroun, malheureusement... C'est comme tu fais... Non, attendez, laissez-moi conclure, parce qu'on perd de temps. Ceux qui sont au Cameroun, bon, vous pouvez regarder. Hein. Mais ceux qui sont en Mbeng, sortez vos cartes bancaires. Voilà, allez, passez une très bonne soirée et à la prochaine, j'espère.